LOL, ça faisait longtemps. Bah pour faire des petits jeux fun comme ça, en fait, on a réfléchi. Hein. Enfin, j'ai pas mal réfléchi. Je me suis dit sur quel jeu je vais faire mes petits jeux fun. Le plus simple pour faire gagner des trucs et puis que ça soit sympa, c'est LOL parce que tout le monde a LOL. Ou presque tout le monde a LOL. Alors que tout le monde n'a pas un Duel of Champions, tout le monde n'a pas, je sais pas, un Team Fortress. Donc c'est plus facile de le faire sur LOL. Toi, tu vas mourir déjà. Par contre, il faudrait peut-être qu'on trouve le team adverse un jour. Oui, c'est le danger en fait, hein, c'est de trop vouloir focus les autres et de ne pas trouver le Teemo. Notre On Teemo pour défend. l'instant est bien. Bah, Timo, il est bien, il est où? Attends, ah, mais je peux stream hack! Ah Non, attends, je le ferai pas, je suis pas comme ça, sauf si on perd. bien sûr, notre Été Teemo, il faut utilisé. sortir du bush, hein, il ne faut pas rester dans le bush. Ah, il a pas le droit d'être immobile, hein. Ça c'est super important, sinon vous êtes disqualifié. Sors du bush. Touloutoulou. Ouais, donc bien sûr, hein, ne pas rester dans les bush. Team Fortress, ça serait trop bien, bah, j'en ai Ah, déjà fait hein, le des Team Teemo est Fortress. là. Hurle-le. Ah, j'ai vu que t'étais parti par là. Oh, ok. Ok, nice, 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 mais nice shield, nice. Je Nice. croyais que tu allais venir de ce côté-là, toi, tarde! Super, Capi. Allô? Ça, c'est Allô? ultime. Hé! Hey, allô? Non, 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 mais tu te rends compte? C'est comme si c'était la guerre mondiale de 2000. Non, mais allô? Ça me. Alors, Ah. le Facebook, le Twitter et le YouTube. Alors, le Twitter, c'est eSportCapi. Le Facebook, c'est facebook.com/capi.lol. Et le YouTube, il est juste créé. On en a fait un en commun avec Nado, comme ça on met nos streams à. Et je vous donnerai l'adresse tout à l'heure parce que je la connais pas par cœur. Exactement. Puis n'oubliez pas mon Facebook aussi, hein, ctv.nado. Je suis Voilà. bientôt aux 100 likes, sachant que je ferai aussi une soirée pour mes 100 likes, bien sûr. Ce n'est que 100 likes, donc je ne me déguiserai pas en femme. Hein. Je ne suis pas Par fou contre, comme nous, on trouve Capi. jamais votre Teemo. Oh, les Teemos sont en train de se fight! Les Teemos se fight! Ça, c'est intéressant dans un cas de Teemo. Un combat de Teemo, ça annonce sûrement la mort d'un des deux Teemos. Ah! La Il nous a brain! tourmente. Notre Teemo est pas mauvais, notre Teemo est pas mauvais du tout là. Notre Teemo est vraiment pas mauvais. La petite cache qui va suffire Oh! sur. J'ai même pas eu le temps de te tuer. J'ai des popos, j'ai dit si jamais en fait. Aucun des Teemos n'est mort. Votre Teemo, il tricherait pas des fois, hein, parce que moi, je vois pas beaucoup Non, non, il bouger votre. bouge là, il bouge. Bon. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Et ben voilà, c'est la mort pour votre Teemo. Aïe 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 aïe. Il est mort? Oui, votre Teemo est mort. Ok, 1-0, 1-0 dans cette première game. Hein, je vous rappelle, c'est en deux games gagnantes. Là, il y a 1-0 seulement, c'est en deux points dans la game. Il faut que le Teemo meure deux fois. Donc là, on a quelques minutes pour essayer de choper votre Teemo. Et on va le choper, j'en suis convaincu. Alors, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus intéressant, j'en conviens, si on aurait pu shootcast la game plutôt que d'être comme ça. Peut-être que la prochaine, on pourra la shootcast, on verra. Ça dépendra de Riot, Peut-être, malheureusement, hein. et pas de nous. Effectivement. Votre Timo, il est où votre Timo? Moi, il m'énerve votre Timo. On le voit Notre jamais. Timo joue bien, quoi, franchement. Il est bon votre Timo, c'est ce que t'es en train de me dire. Ah oui. En même temps, il est dans la team Anado. Hein. Pouvez pas me laisser tranquille? Je prenais le buff. Pas possible. Touche pas mon Timo. Donc notre Timo est revenu dans la game. Peut-être la fin de cette game s'il se fait avoir. Donc Timo est pour l'instant assez safe. Et salut à Mister Bisou, je vous rappelle, c'est la Streamer Academy, vous êtes avec Capi et Nado évidemment qui me file un petit coup de main pour ce soir. On fête mes 500 likes ce soir, je suis déguisé en femme pour le fun, il y a des RP à gagner, il y a des codes Duel of Champions. Et notre Voilà. Timo est encore déco, ça c'est la plaie, la prochaine fois il jouera pas Timo, on changera de Ah, il Timo. s'est redéco encore. Ah, c'est vrai que je me suis dit pourquoi il repart par là, quoi. Ouais, J'ai on dit changera ma de Timo, brain, en fait, non. c'est pas grave, parce que là c'est un peu gênant, on va attendre qu'il revienne rapidement dans la partie. Il est de reconnexion tout de suite, ça va, il est assez rapide en reconnexion. Mais bon. Meurs. Comment ça, j'ai pas d'AP? T'es fait Oh my connaître par la god. lance, c'est juste magnifique. Je crois que je pourrais mettre. Ah, je vous ai pas montré mes lunettes. Quand on reviendra, je vous mettrai mes superbes lunettes anti-fit que certains de mes viewers connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement des lunettes que mes viewers me forcent à mettre à chaque fois que je feed sur LoL. Et je les porte assez souvent, pour être honnête. Bon, Alors, comment on le gagne Teemo est tout tout seul. ça? Eh ben, les codes Duel of Champions, ça sera tout à l'heure via une petite question sur l'IRC, tout simplement. Et pour les RP dans LoL, les 2 x 10 €, ben, c'est simple, il faut gagner des games dans des petits BO3 de mini-jeux. Là, on est dans le premier, il y en aura un autre tout à l'heure. Oh! Si vous n'êtes pas dans la game. Voilà, c'est bon. Il est mort 2 fois. Notre Teemo est mort, donc la Ouais. game est finie, on va quitter la game. Moi, je le tue. Moi, je le tue.
Ah, j'ai plus de mana. Donc 1-0, 1-0 pour la team Anado. Bon, allez, fin de partie. Quittez tous la game, Nado, ça ira plus vite. On puisse la relancer assez rapidement. On livre la game. Voilà, mais la scène qui va bien. GG à l'équipe Anado, donc l'équipe Anado qui part bien là pour les 10 euros de RP. Ça fait clairement plaisir pour eux. Malheureusement pas pour nous, pourtant j'ai essayé de me battre. Hein, mais notre Timo était... C'était pas ça quoi, tu vois, c'était un Timo, mais c'était pas The Timo. Mais le nôtre était vraiment bon quoi. Vraiment... Le vôtre était bon, votre Timo il se promenait tout ça, tranquille, à Let's Blade. Alors voici mes superbes lunettes, est-ce que vous avez vu mes lunettes? Sexy lunettes Capi hier. Lunettes, alors Hello Kitty, bientôt dans la boutique Zerator hein, évidemment, pour ceux qui les voudraient, au prix de 2000 euros, qui arriveront directement dans les poches de la ZTV. Voilà, les lunettes anti-fil, n'hésitez pas à contacter Zerator si vous les voulez. Hello Kitty, OP, lunettes vertes qui déchirent tout. Alors par contre, quitter la game pour qu'on puisse relancer. Ouais, il faut que tout le monde quitte la game pour qu'on puisse relancer tout de suite. Voilà, c'est fait, super. Tout de suite. Je réinvite tout le monde, Nado, et puis je te laisse. Quelle heure il est? Je te propose, Nado, on fait une petite page de pub le temps que je prépare tout. Est-ce que parti. Ça te fait, mon ami? Allez, let's go. Petite page de pub, on revient dans 2 minutes pour la suite de cette soirée. De retour avec Capi et Nado pour la suite de cette soirée. On va bientôt lancer la deuxième game. Je crois qu'il manque juste un joueur, Capi. Ouais, non, c'est Chevalier qui est pas dans la bonne team. Il faut qu'il swap. Chevalier Santo, swap, voilà. Voilà, nickel. Comme ça, Perceval est là. On est prêt. Merci à tous d'être là pour cette Streamer Academy. Capi et Nado, je vous rappelle. Avant qu'on lance la game, Nado, et si on faisait gagner un booster Duel of Champions? Et si on faisait gagner un booster Duel of Champions, ça pourrait être quand même plutôt sympa. Est-ce qu'il y en a parmi vous sur l'IRC qui need un booster Duel of Champions? Est-ce qu'il y a des joueurs de Duel of Champions? Allez, est-ce qu'il y en a? Est-ce que mettez-moi un petit peu sur l'IRC, foutez-nous un peu le bordel. Est-ce qu'il y en a qui veulent un booster Duel of Champions? Appel du vide, deuxième extension, offert généreusement par Ubisoft et Kimundi, mon ami. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est motivé par ça? Est-ce qu'il y en a? Oui, monsieur, voilà. Et ben voilà, ça fait plaisir de voir que vous êtes motivé. Alors, une question. Nado, il y a une question ultra facile. Il y en a une un peu plus difficile et une encore un peu plus difficile. 1 et 3, je te laisse, tu me dis un chiffre entre 1 et 3 et je pose la question. Même si c'est la ultra facile ou la ultra difficile, je t'écoute Nado, un nombre entre 1 et 3 s'il te plaît. Le nombre 3. Le nombre 3, et bien c'est la question ultra facile. Alors attention, c'est le premier sur l'IRC qui va écrire le chiffre exact. Donc c'est un chiffre, le premier qui l'écrit gagne le booster. Écoutez-moi bien, combien de cartes minimum un deck contient un deck Duel of Champions? Combien de cartes minimum peut contenir un deck Duel of Champions pour être valide? Le nombre... Non, ce n'est pas 42,
Ce n'est pas ça. Combien 59, c'est Jean Lustucru qui gagne le booster. Bravo à Jean Lustucru qui gagne un booster Appel du Vide pour le jeu Duel of Champions. Je vais tout de suite le query pour lui donner le code. Bravo à lui. Ben voilà, premier code. Voilà, il y en a encore 4 autres hein, à gagner. Premier code gagné par Jean Lustucru, tout simplement. Bravo à lui. Code à usage unique, hein, Jean Lustucru. Donc garde-le bien pour toi. Et il t'est envoyé un petit GG avec ça. C'est 59, voilà, 59 cartes minimum, 200 cartes maximum dans Duel of Champions. C'est un jeu de cartes à la Magic, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Il est totalement gratuit, je vous le conseille. D'ailleurs, je fais partie d'un groupe qui s'appelle OTCG, si vous voulez faire un petit tour sur le forum otcg.fr/forum. C'est une structure qui stream du Duel of Champions, c'est très sympa. On va lancer la deuxième game, Nado. Je te laisse lancer la deuxième game. Voilà, donc je vais tout simplement demander à changer de Timo. Vous faites ce que vous voulez. Ou change de Timo aussi, c'est plus drôle. Oui, on va changer. Allez, on change un de Timo. Un autre Timo. On change de Timo. Voilà, donc bravo à Jean Lustucru qui gagne le premier cadeau de la soirée. Il y en aura d'autres. Il y en aura 4 autres, hein, des boosters de Love Champion. Je vous rappelle qu'il reste encore 2 fois 10 euros de RP à gagner. Donc si vous n'êtes pas dans la game, il ne vous reste plus qu'une chance de gagner ces 10 euros. Mais si vous êtes dans la game, eh ben, appelez vos amis, car c'est vous, l'IRC, qui allez voter pour la personne qui mérite le plus ces 10 euros de RP. Donc regardez un peu les games. Essayez de deviner qui parmi vous mérite ça, quoi. Qui est le meilleur? Qui est le meilleur dans cette équipe, dans ces équipes, tout simplement pour choisir. Alors, c'est Chevalier Santo chez nous qui va jouer un Timo. Qu'est-ce que je vais jouer, moi? Qu'est-ce que je vais jouer? Il faut... Je vais essayer avec ça, tiens. Je sais pas ce que ça peut donner. Mais moi, ils sont pas motivés à changer, hein. Ils ont peur. Ah, il faut changer. Ah, changeons de Timo. Ok, donc c'est cool. Il y a Euphraos qui va le faire. J'ai un pote qui me dit comme tu viens comme ça au premier de l'an. Ouais, t'as raison, ouais. Je vais me promener comme ça dans le train et tout, dans l'avion. Je vais prendre l'avion, Marseille. Hop. Ouais, j'habite le sud de la France, hein, évidemment. Donc, avion, direction Nantes, de Marseille, je vais le prendre comme ça. Je vais me faire draguer et tout par les hôtesses de l'air, ça va être horrible. Horrible. Bon, on est parti. La game va se lancer d'ici 9 secondes. Merci à tous, hein, d'être avec nous. Je vous rappelle, on est là pour une petite soirée bien sympathique. On fête mes 500 likes, des petits cadeaux. Puis j'espère que vous passez un bon moment sur le stream, tout simplement, en notre compagnie. Allez, c'est parti, 8 secondes avant que la game commence. Capinette est dans la place, merci pour les petits messages sympas que je reçois. Je répondrai à tout le monde après le stream, évidemment. Mais en tout cas, merci, ça fait clairement plaisir. Sachant que bah, avec Nado, c'est pas notre spécialité forcément de faire les cons. On aime ça, faire les cons. D'ailleurs, on serait pas sur les Exodérateurs TV si on n'aimait pas faire les cons. Voilà, c'est un petit peu la philosophie. Mais notre... On va dire, notre spécialité, Nado, ça reste le shootcast de game, quand même. Hein. Bien sûr. On n'est pas d'Apenox, hein, qui sont d'Apenox, mais ça reste notre spécialité. Là, on a le plus d'expérience, en tout cas. Allez, c'est parti dans la game. Alors, on aura une Katarina de Bilgewater dans les mains de Capi, une Sona dans les mains de Exodius, un Nounou dans les mains d'Azergoth, un Ekarim Arcade dans les mains de Lucio Lelf, un Timo dans les mains de Chevalier Santo. Alors que dans l'équipe de la défaite, dans l'équipe de la loose, dans l'équipe de la honte, dans l'équipe de Nado, nous aurons un Full Metal Jace dans les mains de Nado, un Shen dans les mains de Super Moufette, 30, un Tresh dans les mains de Pogu, nous, un Timo Lapin dans les mains de Euphraos et une Pharaon Nidali dans les mains de Perceval. Alors qu'on a deux décos. Enfin, je sais pas s'ils sont décos. C'est pas Perceval et Chevalier Santo. Ah, ça y est, c'est bon. Ça devait venir. Ça va le faire. Arcade et Karim. Je sais pas comment tu trouves ce skin d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Le skin de Karim. D'ailleurs, t'aurais pu jouer ce soir Ekarim, hein. Ça aurait été bien avec non. Moi déjà, je sais pas Ekarim, en plus je suis pas un grand fan de ça. Oui, mais t'aurais pu faire un effort pour ta soirée, je suis désolé quoi. Truc rose, en fille, voilà quoi. On va jusqu'au bout. Vous êtes sûr que Perceval a compris le principe? Et bon, on va voir, hein. En tout cas, Perceval... Bah si, Nidalee... Nidalee, ça peut aller chercher... Généralement, si tu prends un assassin pour aller buter le Timo le plus rapidement possible ou vraiment quelque chose qui protège. Hein. Ouais, mais tout à l'heure on avait une Nidalee justement aussi avec nous, c'était pas mal. C'est vrai que la lance, si elle est bien placée, ça peut OS. On peut faire la diff. On n'a pas une mauvaise team. Non, pas une mauvaise team. Après, vous aussi, vous avez beaucoup de mobilité. Donc... Alors,
Une femme de poney, ça me fait peur. Non, alors moi ce que j'aime, vous voyez, c'est pas forcément les poneys, c'est les jolis garçons, un Jace Onkleman. Comment il s'appelle ce Jace-là? Il est quand même Ah, super celui qui sexy. ressemble à Jean du Jardin? Oui, Jace du jardin, effectivement. Oui, voilà, on met Jace Là, du il y en a Jardin, on plein va qui sont l'appeler pas. comme Mais ça. c'est pas Jean du Jardin et tout. Jace du Jardin. Voilà, alors, hop, je règle les petits soucis, on est prêt pour cette deuxième game de ce Cajo Timo. Est-ce que ça sera la victoire définitive de l'équipe de Nado, de Ouais, je l'équipe du pense. Net, afin de vous laisser une chance à vous aussi, viewers, de gagner ces 10 euros de RP? Ou est-ce que ça sera tout simplement la victoire de ma team? On va essayer de gagner en tout cas. J'ai un gros problème, je sais pas comment vous faites, mesdames, mais j'ai mes bretelles de soutif qui n'arrêtent pas de glisser sur les épaules, c'est assez insupportable. Si quelqu'un a un petit tips là, je sais pas, vous mettez du scotch, je sais pas, du bull tack, quelque chose, Prendre une ça, taille ça c'est. serrée. C'est désagréable, ça glisse sur mes épaules. Avec cette perruque, je transpire comme un porc aussi. C'est un peu dégueulasse tout ça. Bref, passons les détails. On va essayer de faire cette game correctement. Alors je vous rassure, même moi, en tant que capir, dire des phrases comme ça me fait un peu bizarre. Mais bon, on va s'habituer, hein, dans ce C'est un cas-là. homme ou une femme? Ben, Nado, il pourrait vous remontrer. Nado, mets la première scène avec ma photo, que les gens se rendent compte un petit peu, pour ceux qui viennent d'arriver, la Ah, mais je l'ai différence. enlevé pour pas Ah, que ça tu l'as me gêne. enlevé. Bon, tant pis, c'est Mais pas allez sur son grave. Facebook, il y a toutes les photos de Capi si vous voulez voir Ouais, vraiment à voilà. quoi il ressemble. Mais il est pas très différent finalement. Alors, est-ce qu'on stream autre chose que du LOL? Moi, perso, Nado, je le laisserai répondre. Moi, je vais vous stream du Duel of Champions, essentiellement. Je vais vous stream un peu de Final 14, un peu de Ranked LOL, un peu de. Pas mal de LOL au final, mais pas mal de Duel of Champions aussi. Et puis des petits jeux qui sortent. On a déjà fait un Team Fortress, ce genre de choses. Nado, je te laisse répondre à la question. Bah pour moi, pour l'instant, c'est que du League of Legends. Alors attendez. La scène. Ok, donc la scène a bugué. Donc on va remettre C'est la qu'ils sont scène. trop gros mes seins. Ah là là, j'ai des trop gros seins, c'est ça? Oh là, tu m'as mis en plein écran, j'ai eu peur, j'ai flippé d'un coup. J'ai fait peur aux gens. Non, mais c'était prévu. C'était prévu Refais dans le plus scénario, jamais quoi. ça. C'était Il est fou. prévu. Il est fou, il nous a fait flipper. Ah. Capinette Bakary. Et salut à Motel qui vient d'arriver. D'ailleurs, Motel, tournoi Legend 1, il a le TL, c'est la structure que je salue, qui m'a lancé dans le footcast il y a un peu plus d'un an, 1 an et demi maintenant, juste après que j'ai arrêté la radio pour faire un petit peu de footcast. Et voilà, un petit coucou à eux, merci à eux. Et si vous cherchez des tournois Legend, de League of Legends, n'hésitez pas à aller sur ce site, ça fera toujours plaisir. Allez, pas de Allez, chaud. on va essayer de carry cette game easy. Alors j'espère que tu vas réussir à placer ton ultime cette fois-ci, hein. En tout cas, je répète que c'est vous sur l'IRC qui donnerez les 10 euros de RP, c'est vous qui voterez. Donc si vous avez un pote dans la team, il faut ramener vos potes, parce qu'il va falloir voter à mort pour lui, pour qu'il ait les 10 euros. Peut-être qu'il vous fera un cadeau avec ces 10 euros, vous savez pas. Voilà, alors faut savoir que tous les codes, bien sûr, j'ajouterai les gens en ami, on en discutera après le stream, hein, parce que si je dois passer les codes pendant le stream, ça va être un peu la merde, ça va prendre du temps. Vous inquiétez pas, je vous oublierai pas, tout se passera bien, et c'est des pay safeguards, évidemment. Alors, là j'ai vu un chêne sauvage. Moi j'ai vu un poney rose passer, mais moi je vais chercher le Teemo. Moi je crois en ma team, je sens la puissance. Ouh, le Yonk, le poney rose, il est chaud là. Alors, il est où votre Teemo? Ouh là, j'ai vu votre Teemo passer là. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Tuez-le! Voilà! Oh là là, oh là là! Bon, ils ont de la... il a de la chance, ce Teemo, que c'était moi qui jouais. Hein. C'était pas moi, il était mort, mais c'était moi! Hein. Et voilà. Mais lâchez-moi! Lâchez-moi, j'ai rien demandé! Qui c'est le Jace? C'est toi, Nado? Oui. Ah, t'as loupé une jolie boulette. Et ça J'ai joue fait une gamin, jolie les amis, boulette. ça En joue fait, je voulais gamin! pas tuer. Les gens vont se dire. Non, tu vois, faut pas faire comme ça. Bon, en tout cas, notre Ah. Teemo est chaud. Mais bon. Après, Streamax, c'est pour ça qu'on voulait shootcast et pas jouer. Hein. C'est pour toutes ces petites choses. Ça gâche un Ouais. petit peu le truc, mais on peut évidemment rien faire contre Riot. Et imaginez si LoL avait pas marché, on aurait été obligé de faire des mini-jeux sur du Duel Off, ou sur je sais pas quel jeu d'ailleurs. Peut-être du Team Fortress 2, on aurait fait des games et tout, mais ça aurait été quand même moins facile parce que beaucoup moins de gens ont le jeu. Et on compte sur vous pour votre On a sportivité. vu un Voilà. Teemo passer à l'ouest. À l'est, les gars, à l'est. Il y a un Teemo sauvage à l'est. Echo, le Timo. Oh, mon Timo qui a flash, wow. Est-ce que je Alors, pour ceux qui flash? disent qu'ils connaissent Streamax, c'est pas possible, c'est Lucio, et si Streamax il serait déco. Ouais, c'est Voilà. pour ça que je vous dis.
Lucio ne streamera pas, c'est pas possible, sinon il serait pas sur le jeu. Il y a peut-être de la chance, je sais pas. Enfin là, on arrive à anticiper un petit peu votre Timo. Hop, il est par là. Mais il se fout de notre gueule, ce Timo, c'est pas possible. Mais tuez-le. Et il a claqué tous ses spells. Il est mort. Oh là là, oh là là. Oh, je suis mort. Ouais, c'est ça, voilà. C'est bien, fallait focus. Comme ça, mon Timo va s'en sortir. C'est exactement ce que je voulais. Attrape-le, Lucio, attrape-le. On va le choper, spawner. Mais c'est pas possible, il est insupportable, votre Timo. Il part dans tous les sens. Eh ben, le vôtre aussi, hein. Il y aurait 5 HP depuis tout à l'heure. Intuable. Il y a le chêne qui lui court après. D'ailleurs, le chêne, c'est le Timo de tout à l'heure. Oh non, le Sona. Sona, non. Oui, on a tué votre Timo. So easy, la team de Capi, so strong. Évidemment, la team de Capi qui gagne. La team de Capi qui carry. Enfin, c'est grâce à moi, hein. C'est moi qui ai tout fait encore. Ah oui, bah oui, évidemment. On a une bonne team là, je sens bien notre team, on a une bonne team. Et on a un bon Timo, notre Timo est très bon. Pourquoi je me bats contre un chêne, moi je suis idiot quoi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais moi aussi. C'est quoi le truc pour voter? Bah vous verrez, ça sera un petit script IRC tout simplement. Alors, est-ce que le stream lag? Moi, je vois pas de lag pour le moment. Après, sans offenser personne, Dailymotion, parfois, c'est pas facile tous les jours et on en sait quelque chose sur n'est-ce pas Nado? C'est pas faux. Alors, va falloir tuer Sponero de la liste 9 là, il est un peu. Notre Timo, il a deux assists quand même. Notre Timo, il prend des kills, il prend des assists, c'est un fou furieux, notre Timo. Je pense que notre Timo est OP, je pense que notre Timo a envie d'offrir un BO3 à vous, viewers. Alors, je sais qu'il y en a qui rage, ils se disent « Ouais, moi, je veux jouer, je vais essayer de gagner les RP. » Eh ben, il fallait le dire au Timo, parce que là, notre Timo, il rocks. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres games, hein, donc... Nertrans, théorie. Alors, le problème, c'est que notre Timo est mal en point, que le vote est full HP, quoi. Je suis amoureux de toi. Bah, moi aussi, je suis amoureux de toi. Surtout si t'as un gros compte en banque, ça, faut que tu me le dises avant. Et c'est les meilleurs Timo que j'ai jamais vus, hein. Franchement, d'habitude, nos Timo, ils sont nuls. Avec Nado, on fait des 4 de Timo. C'est des Timo, ça dure 30 secondes la game. Là, on a des Timo de folie. Je pense que les meilleurs Timo du monde sont sur Azerator TV. Je sais pas ce que t'en penses, Nado, mais la game, elle dure, quoi. Ça, oh, j'ai pris le champi. Ces Timo sont excellents. Ah là là, Chevalier Santo est un Timo de génie. Malheureusement, on va être obligé de changer de Timo après. Mais notre Timo est vraiment très très fort. Ah là là, je suis mort. Et ouais, c'est normal. Fait que me t'es, focus, pas très, hein. T'es pas très bon, tu meurs, mais bon, c'est pas grave. Ah là là. Capi Nado, d'où vient de vos pseudos? Alors Capi, moi ça vient, me blâmez pas, me sifflez pas, me... Slapez pas, enfin slapez-moi un petit peu mais pas trop longtemps. Ça me vient de World of Warcraft, jeu auquel j'ai joué pendant 9 ans, j'ai arrêté très récemment. Et j'avais une chamane qui s'appelait Capia. Donc ça s'est transformé en Capia assez rapidement. Donc voilà. Donc oui j'ai joué à WoW, oui j'ai joué à WoW. Oui, mais on a tous joué à WoW, pourquoi Mais ouais mais je sais pas pourquoi ce jeu a une mauvaise réputation. Nous étions jeunes et insouciants. Non mais j'ai joué encore il y a 2 semaines hein. J'ai joué encore il y a 2 semaines. On a arrêté assez récemment pour tester Final 14. Je sais pas si d'ailleurs vous avez un streamer sur AZTV qui vous en fera un petit peu, mais c'est un jeu très sympa, surtout pour ceux qui aiment les FF. Parfumeur. Tu devrais renaître mon Wilkinson. Oh, je suis fait ulti quoi. Cool. Vous savez pourquoi Romy me dit ça? C'est parce que je suis toulonnais et Wilkinson. Donc là, vous pouvez slap. Parti. Et voilà, ben je suis fan de RCT toulonnais. Alors c'est moi qui souffle dans mon micro ou c'est Nado? Ça il faut nous dire, c'est parfois c'est moi, je vais faire attention. Je pense ouais, c'est peut-être moi aussi. Ah ok, bah c'est bien, les gens de l'Azerator TV sont vraiment des mecs super. Je trouve le public de l'Azerator très agréable, les Z-Tiviciens. Et votre Timo est pas mort encore, il est où votre Timo? Et notre Timo il survit hein, pour l'instant, c'est vrai que... Le nôtre il est un petit peu en galère, là la partie a duré des plombes parce qu'on n'arrive pas à trouver votre Timo. Oh j'ai vu votre Timo, j'ai vu votre Timo. Ouais. Mais nous on t'a vu aussi. Hop là! Direct voilà. Flash de Capi! Ah non, me dis pas que Capi va tuer notre Timo, c'est impossible. Oh! Go! Votre Timo, oui! Oh mais non!
On a gagné grâce à la partie de Capi. On peut quitter la partie. Ça sera donc sur la prochaine manche que tout va se jouer. Un partout maintenant. Notre Timo était excellent. On avait quand même Nado, tu peux le dire. On avait un Timo excellent. Hein. Vraiment très très bon. Ouais, ouais. Bah, il s'en est bien sorti. Hein. Sur le premier trade, il était tout proche de tomber. Et ça a été le tournant du match en fait. Hein. C'est bien dommage. En tout cas, pour ceux qui me disent, ouais, ils sont sympas, tes scènes et tout, c'est travaillé, bah, faut dire gros merci à Nymphéa, elle est sur l'IRC, vous pouvez la retrouver, elle s'appelle Nymphéa, faites-lui un bisou, ça lui fera plaisir à cette jeune demoiselle, elle fait quand même de très très bonnes petites choses, et ça fait toujours plaisir. Oui, c'est vrai, bravo, bravo Nymphéa. franchement, hein, des très très belles scènes. En tout cas, on avait un bon Timo, on avait un excellent Timo, je vais relancer la game, on va pas vous remettre une pub maintenant, on va attendre un petit peu, on va créer la partie tranquillement. Ben, Nado, est-ce qu'on fait gagner un deuxième booster Duel of Champions? Parti. T'es sûr? T'es démotivé là? Ouais, okay, il faut, attends. Bah, hey, t'as les questions, les gardes, t'as, la poser, t'as la réponse. Alors, okay, tu veux que je choisisse entre la 1 et la 2? Alors, moi je dirais la question numéro 1. Un peu mieux. Vends-nous du rêve, Capi, avec cette question. Alors, attends, parce que je réponds, il y a un code a priori. Alors, s'il y a un code qui marche pas, Jean-Luc Sucrut, ne t'inquiète surtout pas, Kimundi m'en donnera d'autres, c'est la personne qui s'occupe de ça sur Azerator TV. Sur Ubisoft, donc il y aura aucun souci, quoi qu'il arrive, tu auras ton booster, je m'en engage devant vous public. Je suis en train de créer la partie et tout faire en même temps. Voilà la question. Alors la question, Nado, je te laisserai regarder qui gagne. Tu as la réponse de toute façon, est-ce que tu l'as sous les yeux la réponse à la deuxième question? Mais la question numéro 1. Hein. D'accord, tu as la réponse devant les yeux. Oui. Tu vois, c'est quoi la réponse? Alors j'ai posé la question, puis je te laisse voir qui a gagné, et puis tu me diras qui a gagné. Alors la question, pour gagner un booster Duel of Champions, offert par Ubisoft, un booster de la deuxième édition, quel est le nom du joueur ayant remporté la Gamescom sur Dog cette année, il y a quelques jours? Quel est le nom de la personne qui a gagné tout simplement la Gamescom sur Duel of Champions? À vous les amis. Ah, bah j'ai été déco. Eh ben c'est pas, j'y suis, je le vois moi. Allez, qui a gagné la Gamescom sur Duel of Champions? Qui a gagné? Jean-Pierre. Non, Grobil, oui, Niyu91 a été le plus rapide. Bravo à Niyu91, Grobil, qui est d'ailleurs quelqu'un de très sympa. Niyu, je te query tout de suite pour te donner un code. Mais juste avant, je m'occupe de créer la game. Comme ça, je te file ça tout à l'heure, qu'on ne perde pas le temps. Voilà. Donc, bah, bravo. La Gamescom, ce que tu... Excuse-moi, prout d'enfougère. D'ailleurs, ça doit être un peu sale de faire ça. Pourquoi tu fais ça? Allez, j'invite tout le monde à dos, tranquillement. Oh, alors, Capi, c'est un Capi déchaîné. Azergoth, ensuite on aura Luciole Elf qui a beaucoup réfléchi pour son pseudo, j'imagine. On aura l'excellent Timo de tout à l'heure, Chevalier Santos. On va être obligé de rechanger de Timo d'ailleurs. Chevalier Santos. Et on avait avec nous Exodus 9. Voilà, je vais ajouter aussi Nado. Et dans l'équipe de la honte, l'équipe de la défaite, il avait Super Moufette 30. Il y avait aussi notre ami Pougnou. Il y avait notre ami SHS Perceval, voilà, qui va bien. Et le dernier, c'était Euphroise. C'est pas facile à dire ce pseudo, je trouve. Alors, je l'ai mal écrit. E-U-P-H, ah, j'ai oublié un R, voilà. Inviter des joueurs. Voilà, j'ai invité tout le monde. Alors. Nice. Alors, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez bien sûr query Nymphéa. En tout cas, merci. Merci à tous ceux qui nous font un petit truc. Alors, je carry trop n'empêche de jouer mon Timo stream truqué. Le code sert à quoi? Le code, quel code? Le code Duel of Champions, ça vous permet d'avoir un petit booster pour la deuxième édition dans le jeu. Alors, je vais passer tout de suite le lien à mon ami Niyu. Voilà. Et puis, on va voir comment ça va se passer. Alors, comment participe-t-on? Ben là, on était dans le premier VO3, dans le deuxième PO3, il faudra tout simplement trouver le perso, rentrer les premiers dans la game, être 10 nouvelles personnes. On fera un autre jeu, j'espère qu'on tombera sur l'Aram Quiz. D'ailleurs, on fera peut-être un Aram Quiz direct, Nado, vu l'heure. On fera un Aram Quiz direct. On fera quand même tourner la roue, parce que c'est marrant de voir la roue. Ouais, on fera tourner la roue, parce qu'elle est jolie. Elle est quand même canon, la roue, non? Comme moi. Bah, il manque une personne. Bah, si la Zergot est là.
S'il y a quelqu'un qui est dans le 83 qui m'a emmené une petite boisson, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un dans le 83 voudrait m'emmener un petit coca, s'il vous plaît, avec deux glaçons? Ça serait adorable, adorable. Je vous jure, j'adorerais ça. Allez, on va attendre la dernière. Alors, j'ai oublié une personne. Ah non, c'est Azergoth. Oui, qui a pas accepté. C'est pas grave, Exodus, je t'ai charrié. Paris, c'est moche. Alors, attention à ce que vous dites, hein. Attention à ce que vous dites. Aram Quiz, eh ben, on vous apprendra les règles, Tatsuki. Tu vas apprendre des nouveaux jeux. On aurait pu faire un LOL Karting, mais le LOL Karting, c'est moins rigolo que l'Aram Quiz. L'Aram Quiz, ça va vous faire marrer. J'arrive en courant, t'habites où? Dans le 83, pas loin de Toulon. Elle fait peur, Capinette. Mais non, elle fait pas peur. Je vous avoue, elle fait peur. Même moi, j'ai eu peur là, sur le dernier speech. 83, c'est le Var, effectivement. Ça donne envie de tourner une canette dans la gueule. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Azergoth? On a gagné la game, on a besoin d'Azergoth quand même. Ouais. On va attendre combien de temps on a deux? On attend 30 secondes encore? Ouais, 30 secondes, bon, allez, on remplacera. Attend 30 secondes. Hein. Dommage pour lui, hein. Et puis on pourra lancer ça. Alors, je vais pas vous refaire gagner un code tout de suite, hein. On va attendre un petit peu. Attendre un petit peu. Ah oh, tiens, j'ai envie de faire gagner un code. Je vais faire gagner un code, mais attention. Je vais le marquer sur l'IRC comme ça, à l'arrache. Mais je vous dis pas quand. Voilà, je vous dis pas quand. Tout à l'heure, à n'importe quel moment, je vais marquer un code sur l'IRC comme ça. Et le premier qui ira le mettre dans Duel of Champions le gagnera. Tout simplement. Voilà, ça sera un jeu de rapidité. Tout simplement. J'espère que. Comment il est pervers, ce Kera. Comment ça? Super vert. Mais c'est bien, j'aime bien. C'est marrant. Voter Perceval. Bah non, Perceval a bagne. Pas un bon PC. Oui, effectivement, Aubagne, c'est pas loin. Alors, de temps en temps, je vais boire un verre avec certains viewers sur Toulon ou sur Marseille même. Donc, on pourra suivre mon Facebook, facebook.com/capi.lol si vous aimez ce qu'on fait ce soir, ou facebook.com/nado.lol si vous aimez les losers non, et les perdants. Non, cTV.lol. Ah, cTV.lol. Non, mais il remixe. Il remixe le Facebook, c'est parti. Ah là 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 là. Alors, on va le remplacer, Azergoth? Je pense, ouais, je pense. Alors, on va le remplacer. Je vais inviter quelqu'un de ma friend list parce que je vais être sûr que ça soit quelqu'un qui soit compréhensif, qui sait qu'il pourra pas gagner quoi qu'il arrive les RP. Puis tant pis, ça jouera entre trois personnes, hein, si jamais. Qui j'invite? Mais on gagnera. J'ai confiance en mon équipe. Bah, je vais inviter Kaziko s'il est motivé, notre mon pote. Ah non, Kaziko. non, je ne peux pas Kaziko. Non. Ok, motel. Est-ce que tu veux motel? Oui. Si Panda, Panda Reine. Racisme bon, envers les Kaziko. Je peux pas inviter Gob, il est en game. Non, parce que Kaziko, il va être. À chaque fois il gagne, c'est pas grave. Madri, allez, Madri me dit qu'il est dispo, c'est parti, j'invite Madri. Madri qui va remplacer. Madri est un joueur de niveau silver, donc ça change pas grand chose sur la game. Et puis voilà. Quand je vois la tête actuelle de Cap, j'ai peur des bars dans lesquels il emmène ses viewers. Capi, tu devrais jouer Sona, elle te ressemble. Sona a moins de boobs que moi, les gars. Le code c'est pour Duel of Champions. Oui, j'en ai déjà fait gagner deux des codes. Deux codes ont été gagnés. Donc il en reste encore deux à faire gagner. Il y en a un que je vais écrire sur l'IRC, mais je vous dis pas quand. C'est parti, on perd pas de temps. Alors par contre, on doit changer de Timo, malheureusement, super moufette. Et oui, il faut changer de Timo. Faut changer de Timo. Ça, c'est obligatoire. Il faut rechanger de Timo. Alors chez nous, peut-être que ça va être Madrid du coup qui arrive, le pauvre. Mais c'est parti. Parce que moi, je vais quand même pas jouer de Timo, je vais ruiner avec. Allez, on change de Timo. J'ai carry avec ma Katarina, je vais rester dessus. Alors. C'était qui chez nous qui a fait. C'était Frao, je crois, qui a fait notre Timo tout à l'heure. Je ne sais même plus. Un autre. Oh, j'arrive même plus à écrire. 5, 4, 3, 2, 1, IRC! Allez-y, connectez-vous à Duel of Champions, balancez le code. Tout simplement, il est là. Et vous pourrez regarder ça. Alors, est-ce que ça lag? Oui. Qu'est-ce qui lag? Non, je sais pas, il y a des gens qui disent that bait, oulala, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est le drame? Ah, t'es plus en stream, Nado. Relance le stream. Si, je suis en stream et ça vient du drop. Normalement, je suis en stream toujours. Alors, je peux relancer au pire, hein. Ouais, relance. Et je suis en stream. Bon, en espérant que ça se corrige rapidement, je vais verrouiller. Hop là!
Bah normalement c'est bon, on est là. Ouais, mais il y a eu un drop. Ouais, c'est XSplit qui bug pas mal en ce moment. Donc ouais, c'est Pugno qui bat Teemo chez nous. Ça c'est nice. J'accepte le Alors, défi. logiquement, on est revenu. Logiquement, on est avec vous. On est avec vous, les amis. Voilà. Et puis, j'ai donné le code tout à l'heure. Alors, je sais pas si quelqu'un l'a eu, parce que moi, je peux pas le tester. S'il marche plus, c'est que quelqu'un est passé avant vous, évidemment. Voilà, pour le code qui a été balancé dans le chat, Duel of Champions, et ça a recoupé Nado. Non. Moi, j'ai le stream coupé. Ah non, moi c'est bon, je suis toujours en live. Ok. Ok, c'est parfait. Ben moi, chez moi, ça a coupé. Alors comme quoi, j'ai le retour qui coupe. Ouais, Alors c'est pas. malheureusement, nous sommes désolés, hein, c'est sûrement Deli. Parce que moi, le stream fonctionne très très bien. Oui, le code était pour Duel of Champions. Vous en avez déjà eu 3 de distribuer ce soir. Il m'en reste encore un à vous distribuer. Je vous le distribuerai tout à l'heure via une question OP que j'ai à vous poser. Il restera, ouais. C'est la plus dure d'ailleurs ou c'est la médium, on va Gros dire. bill, gros bill, il fallait connaître le jeu quand même. Ouais, fallait connaître, ouais. La prochaine, il faut connaître le jeu, vraiment. Il faut connaître le jeu. Les gens qui connaissent pas bien le jeu vont galérer peut-être un petit peu. Le mec qui suit vraiment Duel of Champions va trouver en 2 minutes et il va gagner. Voilà, la prochaine, c'est un petit peu plus pour les spécialistes. Voilà, tout simplement. Allez, on attend la dernière game, je vous rappelle. 4 jeux Teemo, 10 € de RP à gagner pour une des personnes qui est dans la game. C'est la deuxième game de ce BO3. Et j'espère qu'elle va bien se passer. Et on aura une Katarina, une Sona, un Ekarim Arcade, une Soraka, un Teemo pour mon équipe. Nous aurons un Blitzcrank, un Teemo éclaireur, un Zac, une Proviseur, Fiora, so sexy. Et un petit Lee Sin acolyte pour l'équipe de Nado, tout simplement. Et ouais, en fait vous avez quasiment la même team, hein. Bravo quoi. Alors pourquoi, comme il y en a qui disent ouais encore du LOL et tout, mais pourquoi du LOL? Tout simplement parce que comme j'avais des trucs à vous faire gagner, je voulais faire des mini-jeux et tout, d'ailleurs on verra tout à l'heure avec la RAM quiz, et ben c'est LOL qui est le plus facile parce que tout le monde a LOL, tout simplement. Mais j'aurais très bien pu vous faire un Duel of Champions. J'aurais très bien pu vous faire un Duel of Champions, mais vous faire gagner des codes sur Duel of Champions, vous faire gagner des RP pour LOL, c'est quand même moins sympa, tout simplement. Donc je me suis dit, allez, c'est parti, League of Legends. Et c'est un petit peu différent que d'habitude, enfin j'espère pour vous. Et j'espère que ça vous plaît et que vous passez un bon moment. Oui, ouais, exactement. C'est-à-dire qu'on fait pas des games normales, hein. C'est vraiment que du fun, c'est que des petits mini-jeux. Peut-être certains qui découvrent justement ces mini-jeux ce soir, donc c'est assez sympathique. Ça Panda qui change. dit, ne troll pas, je nie de les RP. Stop troll. Il Et ouais. est chez qui? Elle est chez vous, Panda, Et ça donne carrément chaud les soutifs, hein. Messieurs, je sais que vous c'est n'avez ça? jamais porté de soutif, mais pensez à votre chérie maintenant. À partir d'aujourd'hui, pensez à votre chérie. Un soutif, ça donne carrément trop chaud, quoi. C'est horrible, c'est horrible, c'est pas agréable. Comment on gagne les RP en gagnant les games extensifs, tout simplement. Donc il faudra être dans la prochaine game si tu veux avoir une chance de gagner. Par contre, c'est vous qui choisirez la personne qui gagnera les RP. Et ça sera d'ici quelques minutes. Vaut mieux être nu. Je ne sais pas. Alors on attend qu'il Perceval encore, et malheureusement, Perceval, Perceval. Alors Perceval a dit qu'il voulait gagner les RP, ça l'approcherait de son nouveau PC. Pourquoi Ne pas? portez plus de soutif. Ne portez plus de soutif. Ouais, bah Perceval, il nous a fait perdre un petit peu de temps, mais on est dans les temps là, donc on est bien, on passe un bon moment. 20h, 22h, Zerator TV. D'ailleurs, au passage, si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à liker aussi le Facebook de la ZTV. On parle des nôtres, mais il y a évidemment aussi leur Facebook. Ça fait toujours plaisir de voir que la chaîne fonctionne. Donc moi, j'en suis bien content. Allez, 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 on se dépêche, mon ami, pédale, mais... Et ben voilà, c'est parti, Nado, c'est parti. Alors, Nado, qu'est-ce que ça te fait de perdre une deuxième game d'affilée? Tu es pas trop déçu, pas trop en stress, ça va? On ne l'a pas perdu, hein. Non mais attends. Non, mais tu vas perdre la prochaine. Ah. T'en es Mais conscient. écoute, je ne sais pas. T'en es conscient quand même que tu vas perdre la prochaine. Moi j'y crois, franchement c'était serré hein, la game précédente. Hein. Si on avait réussi à prendre le premier kill sur votre Teemo, ça aurait tout changé. Fauté Exodus. Et ben voilà, il y a déjà Exodus qui a un fan pour gagner les RP, mais pour ça, il faudrait encore que ma team gagne. Pour que Exodus gagne les RP et une chance de gagner les RP. Et vous, viewers, regardez la game, essayez de voir qui fait le plus peut-être un très très bon Teemo. Moi, je trouve que franchement, Chevalier Santo a été un excellent Teemo tout à l'heure. Et si ma team gagne, j'espère qu'il aura ses chances dans les votes et qu'il aura des personnes. Parce que bon, tout le monde a bien joué. Tout le monde a bien joué, mais ce Teemo a été parfait. Ce Teemo a été parfait. Beauté panda.
Heureusement qu'il n'y a pas la cam là parce que je suis en train de me gratter les seins. Il faudra remettre le replay, y a pas de problème. Un petit peu bizarre. Allez, ça va être parti. Moi, je sens on va perdre de ce côté-là. C'est parti. Notre team, je l'aime beaucoup. Hein. Moi, je trouve que Ekerim, Katarina, Sona, c'est une très très bonne combo. Franchement, c'est excellent. Maintenant, les teamouts tout à l'heure ont été très très bons. Donc, à voir comment ça va se passer. Alors, le niveau des stuff des teams, on n'a pas regardé un petit peu ce qu'ils prennent. Là, on a des bots de célérité et 5 popos. Non, c'est pas du tout Timo. Qu'est-ce que je dis? Pas du tout. On a, oui, bots de célérité et 5 popos et 5 popos. Donc, 10 popos. Ok, mais tuez-moi, je vous laisse, pas de soucis. Voilà. Et de l'autre côté, on a un Timo qui a pas acheté de stuff. Ah, si. Ah bah moi je vois sans stuff. Ah non, c'est que je l'ai pas encore vu sur la map, tout simplement. C'est pour ça. Alors votre Timo il est là, on l'a vu. Le principe de la rame quiz, bah, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Hein. En gros, ça sera une rame, vous allez pas choisir vos persos. Il y aura une question, voilà, on posera une question et l'équipe qui répond la plus. Le plus rapidement à la question, la première équipe à répondre à la question aura un perso OP et l'autre équipe aura un perso dit troll. Voilà. Type de perso troll, Nado, donne un exemple de perso très troll. Perso très troll? Qu'est-ce qu'on peut avoir en perso très troll? Bah, tout ce qui est carry AD en AP quoi. Hein. Bien vous faire ouais, chier. Ouais, c'est pas ce genre de choses. Alors il faut savoir bien que. De dégâts. Bon, par contre, bah, Timo, je sais pas où il est. Il faut savoir tout simplement que. Que les questions, c'est de la culture générale dans League of Legends, hein, vraiment. Donc, si vous avez un mec qui est calé dans votre team en culture G League of Legends, vous avez de bonnes chances de remporter. Ouh, j'ai tué un ennemi! Alors, vous inquiétez pas, hein, si Capi. Type de perso OP? Bah, ouais. Les persos OP, je sais pas, Nado, est-ce qu'on leur laisse choisir leur perso quand ils gagnent, tout simplement? C'est oui. Voilà. Vous choisirez votre perso. Si vous gagnez la question, la personne qui sera la première dans la liste. Tout simplement, bah, gagnera, choisira son perso. Enfin, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure, vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va finir cette petite arame, ce petit cache de Timo, pardon. Donc, il y a des persos. Timo, c'est bien. Cheat. Ah, j'ai chopé le Timo. Pugnou, il est là. Pugnou, viens là. Pugnou, mon ami, viens là. Pugnou. Allez, Pugnou. Là, t'es en live sur la ZTV, c'est le moment de montrer tout ton skill. Pugnou, reviens, dépêche-toi. Reviens ici. Dépêche-toi. Il obéit pas ce Pugnou. Parti du mauvais côté. Oh cette. Elle m'a défoncé la fure. Hein. Non, ne va pas par là, Timo. Ne va pas par là. Pas dans le ghetto là. Voilà, les stars in game. Votre vie sur l'aide, t'es vraiment pas mauvais. Hein. Toi, tu restes là. Donc, d'ailleurs, on en profite, Nado, hein, pour remercier encore une fois un oh, Tox. Merde. Que vous connaissez bien sur l'IRC, qui est un de vos modérateurs. Et qui a codé le petit script qui vous permettra de voter tout à l'heure. En plus, il l'a fait en urgence, il l'a chopé sur Facebook. Je lui ai dit, oh bro, hop, il est 13h, il me faut un truc pour 20h. Démerde-toi, comme tu veux, va savoir. Il est obéissant, hein. Si vous lui parlez comme ça, un Tox, il obéit. Si vous connaissez bien un Tox, George, vous parlez comme George. Ça, vous dites, oh, obéit, il obéit. Voilà. Oh là là, Capi ambitieux. Allez. Bon, ça a pas fonctionné. Où j'ai un peu pris des kills, je suis un peu mort. Oh le Timo on le voit. Le Timo on le voit avec Karim. Vas-y Karim, fonce-moi sur Timo. Dépêche-toi. Aïe. Il faut sauver notre Timo Zach, mais que faites-vous? Pourquoi? Lâchez la Soraka. Pas ce qu'il faut faire. Ah, en plus je suis loin de l'action quoi, c'est une catastrophe. J'ai claqué mon ulti sans qu'il il est parti. Oh j'ai pas vu, on a pas pu voir en live. C'est dommage. Ah, ouais, ce Timo, il a tellement de chance! Toi, tu restes là, voilà. Toi aussi. Oh, je veux le kill! Oh, j'ai pas eu le kill! Ah là 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 là! Ah, je me suis pris un champion. Je vais rester avec mon Timo. Aucun des Timo n'est mort! Les Timo. Eh, on voit qu'il y a encore un très très bon Timo dans ma team qui prend des assists et tout, qui a toutes ses popos de vie. Tout va bien pour notre Timo national dans les mains de Madrid 49, un ange 20. Son seul défaut à Madrid. Pardon s'il y a des enjeux, excusez-moi. Non mais les Timo sont vraiment bons, hein, pas comme le Timo, je sais pas si tu te souviens. Hein, oh, moi quand j'ai... C'est pas pour être méchant, mais la première fois que j'ai fait un 4 jeu Timo, j'ai joué Timo, j'ai duré 10 secondes. En 10 secondes la partie était pliée, j'étais mort deux fois. J'ai tellement ruiné en Timo. Ah notre Timo il est dans la souffrance là. Notre Timo il est carrément dans la souffrance. Il vote est complètement safe, je sais mais pas par où contre, il est. Il va arrêter de me brain. C'est ça, oui, retourne par là, c'est exactement ce qu'il faut faire.
J'y grimpe le mauvais, c'est une catastrophe. Il est impossible, il est trop rapide votre Timo, c'est un super Timo. Il faut que j'achète des bottes de... Je suis trop bête, moi. Il faut que j'achète de la move speed. En fait, dans cette game, il faut de la move speed à mort. C'est obligé, comment tu veux gagner sinon? Oh. Tu vas venir. Est-ce qu'il va me brain? Est-ce qu'il va me brain? Non, il va pas brain. Pff, je l'ai pas eu quoi. Toi, tu m'énerves. T'es un mauvais à Bliss quand même. Ah, j'étais trop lent. Oh, il a pris le heal. Bon, non, mais ça c'est pas cool par contre. Tous des halts, Timo quoi. Non, mais tuez-le quoi. Voilà. Ben voilà. Non. Ah, non. Ça sort. Magnifique. Oui. Et magnifique action de Madrid 49 qui s'en sort en beauté. Il les a totalement brain. Et la ruine totale de Nado qui meurt sous les dégâts de la Sona. La ridicule Nado. Excellent Madrid 49. Sous un tonnerre d'applaudissements, le public de Lazerator TV est debout, les amis. Vous êtes debout pour cette action. C'était magnifique. Madrid est trop fort. Il a vraiment eu beaucoup de chance. Ce jeu pourri, c'est un 4 jeux Timo sur League of Legends. Tama. Et jeu pourri, c'est un petit peu subjectif quand même. Alors, est-ce que un des Timo est mort? Toujours pas. Non, toujours pas. Le nôtre pour l'instant, il. C'est bien, il est très très bon tactiquement. Et le nôtre a quand même 4 à 6 quoi. Nous, on a un Timo qui aime prendre des risques, qui aime fighter, tu vois. Il fight, il prend des kills. Nos soucis pour notre Timo. Bon, votre Timo il est à peu près toujours au même endroit. Oh là là, oh là là. Je crois que j'ai vu un Timo. J'ai vu un Timo. Voilà, on voit plus personne dans la map. Oh là là, il va falloir aider notre Timo. Aïe aïe aïe, bah, je crois que c'est la fin. Non, non, meurs pas, non. Oh, je... Non, c'est pas possible. Je l'ai passé. J'allais te grave sur lui en plus. Voilà. Oh mais non, c'est tellement triste pour ma team qui s'en sort bien. En plus ma team ils ont de la chance puisqu'ils sont que 3 après 30 10€ de RP. Oh là là, et votre Timo il va jamais mourir sans ceci. Madrid pourra pas y prétendre. Timo va peut-être mourir ici. Oh je flash. Non mais meurs. Non mais à un moment donné il faut mourir. Non mais il est dans... Voilà, un partout. Vous mourrez tous. Oh plus toi qui me tue. Bon, ça fait un partout. Ça fait un partout. Attention, quand même, BO3, un partout. Moi je dis. Et ouais, là c'est vraiment un cas du Timo équilibré. Hein. Les Aram Quiz, on attend ça avec impatience. Aussi. Alors, l'Aram Quiz, selon l'heure qu'il est, ça sera peut-être qu'en 2 manches. On verra. On verra, peut-être la partie de la team qui gagne le plus rapidement les 2 manches. Ce sera peut-être ce genre de choses. Si on n'a pas le temps de le faire en BO3, évidemment. Aïe, notre Timo. Aïe, c'est la fin. C'est le drama. Oui. Donc je vais donner tout de suite les noms à Zerator. à Intox, pardon. Afin qu'il... Et oui, parce que vous ne saviez pas, mais... Enfin, ce que vous ne savez pas, c'est que tous les cadeaux vont à Zerator, bien évidemment. Et oui. Non, évidemment. Vous allez pouvoir voter, c'est d'ici quelques secondes. J'envoie tout de suite les pseudos des gens à mon ami Intox pour qu'il puisse régler ça. Donc il y avait Lucio l'elfe. Alors qui n'est pas venu? C'est Azergoth qui n'est pas venu. Azergoth, oui, c'est ça, ouais. Qui n'a pas fait la troisième game. Lucio l'elfe. Et Karim Trocci, je suis d'accord. Bon, après, Lucio l'elfe jouait bien, il avait un bon placement. Il y avait Chevalier Santos qui a été excellent aussi, Chevalier Santos, et il y avait Exodius. Voilà, vous allez voter, une de ces 3 personnes va gagner 10€ de RP d'ici quelques secondes sur Lazerator TV. Le temps du vote, peut-être que tu peux passer la petite page de pub qui va bien, Nado. On va faire ça. Donc on se retrouve dans 2 petites minutes, restez présents sur Lazer TV pour cette deuxième partie de soirée pour de l'Aram Quiz et pourquoi pas du LOL Karting. Il y a encore DRP, il y a encore un code DOC à gagner. Voilà, donc, encore un code doc. Voilà, restez présents, on se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite!
Et re, on est de retour. À tous. Alors, il y a des gens qui disent, mais pourquoi il est déguisé et tout? Je vous rappelle que c'est ma soirée 500 likes et j'avais fait un pari. Je voudrais demander quand même sur l'IRC, est-ce que vous m'autorisez à enlever la perruque? Est-ce que vous m'autorisez à enlever la perruque? Non, c'est pas que j'ai chaud. Si vous me dites non, si vous me dites non, je le fais pas. Je le fais pas. Non, vous avez pas le droit de me dire non, non, non. Ah là là. Ah là là, ils veulent que je garde ma perruque. C'est pas vrai. Je comptais sur vous, les gars. Je comptais sur On va vous. jusqu'au bout d'un pari. Non, je parie pas le tout nu pour les 1K like. Si on trouve un truc un peu plus drôle, je le fais, mais pas le tout nu. Il y a quand même des gens qui veulent pas jusqu'au bout capi. Ok, j'enlèverai au tout à la toute fin du stream. Je vous l'enlèverai à la toute fin du stream. Ah là là, elle vient d'où l'image? C'est Nymphéa qui l'a faite, tout simplement. Alors, est-ce que un toc c'est là? Est-ce que un toc c'est là? Parce que pour qu'il nous lance le petit stream, le petit truc, je vais essayer de le choper ici. J'espère qu'il est là quand même, ça serait quand même super dommage, sinon on attendrait tout à l'heure, tout simplement, pour le faire. Et puis après on va lancer la deuxième roue, Nado, la deuxième roue. Oui, c'est parti. Moi, tu me dis, je suis prêt. Pas de problème. Je lance quand tu veux. Meurs, meurs. Et ben voilà, c'est parti, vous pouvez voter. Donc vous faites un point d'exclamation, vote ainsi que le chiffre. Par exemple, point d'exclamation, vote 1 si vous voulez voter pour Exodus. Point d'exclamation, vote 2 si vous voulez voter pour Chevalier Santo. Point d'exclamation, vote 3 si vous voulez voter pour Lucio Elf. Et la personne qui gagnera 10 euros de RP. Attention, Marilia, il faut faire le point d'exclamation, vote. Parti. Tout J'ai elle, simple. hein, aux trois personnes. Vote, vote. Oh, ça bosse. Pas Chevalier Santo, le nom, Kargan, le nom. Je remonte mes seins, excusez-moi, hein, en direct, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Tout va bien. Vote 2, vote 3, vote 2. Allez, il y a 2 minutes pour voter. Évidemment, Moyenado, on ne votera pas. Et après, on va passer sur le deuxième jeu. Et une deuxième personne pourra gagner les RP. Je répondrai bien sûr à toutes les queries. Après le stream, ça sera plus simple. Parce que là, c'est que des choses où il faut parler un petit peu. Donc pour ceux qui m'ont envoyé des queries, vous attendez un petit peu après le stream. Vous me laissez votre pseudo IG. Et puis, on en reparlera. Vous m'envoyez carrément un MP directement sur mon Facebook. Tout simplement, facebook.com/capi.lol. Sans oublier le Facebook de Nado. facebook.com/cetivi.nado. Je fais ma campagne, n'est-ce pas? T'as le droit de faire ta campagne. T'as le droit. Non, mais oh. Votez Capi. Votez Capi. Ouais, malheureusement, je peux pas m'offrir à moi-même les RP. Ce serait quand même super dommage. Sachant que c'est pour vous, c'est pour vous remercier pour ces 500 likes. Ça fait clairement plaisir. Si quelqu'un m'avait dit il y a un an que j'arriverais à ça, moi je fais ça pour le plaisir pur. D'ailleurs, pour ceux qui me demandaient tout à l'heure, je veux absolument pas devenir professionnel dans le milieu. Je veux pas gagner de l'argent. J'ai un métier qui me plaît. Je veux me professionnaliser. Certes, j'aimerais stream dans des LAN car je trouve que c'est là que c'est plus intéressant aussi. Donc j'ai besoin de notoriété, mais c'est vraiment pour le fun et pour le plaisir que ça apporte. Et si tu obtiens 1000 likes dans cette soirée? Je sais pas ce que je fais. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais si j'obtiens 1000 likes dans cette soirée? Je pense pas que ça arrivera. En tout cas, pour les 1000 likes, quoi qu'il arrive, il y aura une nouvelle soirée. Ça, c'est sûr. Ah, le vote est fini. On va savoir qui a gagné. On va savoir qui a gagné. Résultat des votes. Qui mérite les 10 euros de RP? 14% ont voté pour Exodus. 46% ont voté pour Chevalier Santo. Et c'est Chevalier Santo qui va gagner les 10 euros de RP. GG à lui. Alors je vais l'ajouter dans mes amis pour que ça soit plus facile sur le jeu. Et puis je vais régler ça directement avec lui. Donc voilà, je t'ai envoyé une invitation. Tu es là. Voilà, tout simplement, GG à Chevalier Santo qui a gagné 10 euros de RP, ça fait plaisir. Et Benado, on va passer directement sur le deuxième jeu, si tu le veux bien. Bah écoute, c'est parti, on va lancer la roue. Et ben vas-y, let's go. La On roue fera quand de... même, on va tricher, d'accord? Tu la relances jusqu'à temps de tomber sur le... Parce que c'est sympa le karting, c'est sympa le Yordle vs Tank, mais vu l'heure qu'il est, je me verrais bien un petit... Oui, parce que Capi a passé des heures à faire des questions, donc ici, il serait déçu, bien sûr, de... Est-ce qu'on peut rejouer? Non, évidemment. Non, il faut qu'il y en ait d'autres qui jouent. Alors après, s'il manque des gens, évidemment, vous pourrez rejouer. Je ne pense pas qu'il en manquera. Allez, je lance la roue. C'est parti. Ah, bah Lucio Leff le méritait, c'est vrai, mais Chevalier Santo le méritait aussi. Il a fait une excellente game. Beaucoup de joueurs le méritaient. Alors, 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 Oh, alors. oh, oh. Cette roue est truquée, je relance. C'est encore 4 jeux de Teemo, c'est pas possible. Ah, bah, on peut pas faire 2-4 Teemo. De toute façon, on va faire un RAM quiz. On va faire un RAM quiz. J'ai préparé la game le temps que tu fais jouer avec la roue. Il a Oh. l'air de beaucoup aimer cette roue, Nado. Je pense que Nado.
Nadou, Nadou. Va jouer très souvent avec ses trous. Oui, tu m'as appris quelque chose ce soir, tu vois. Alors, pour ceux qui se demandent, mais comment il a fait pour faire cette roue? Comment il a fait pour faire cette roue? Bah, c'est tout simplement J'étais un sur site, Paint. Non, un mais site pour... qui non. est rigolo. Ça s'appelle ruedelabouffe.com. Voilà. Allez faire un tour sur ruedelabouffe.com si vous avez envie de faire ce genre de choses pour des sites, des machins, des trucs. Et c'est Rue de la Bouffe, hein, c'est bien ça, Nado, le site. Je crois que c'est ça. Non, c'est la roue de la bouffe. Roue de la Bouffe, voilà. Roue de la Bouffe, et puis vous pouvez La jouer roue avec de ça. la bouffe.fr. Vous allez. Alors, je crée la game, on va mettre un mot de passe. Hop, on va mettre. Tu vas mettre ça. C'est parti, Aram Quiz. En plus, on est tombé pile poil sur Aram Quiz au bout de deux essais, donc. Alors, la question c'est, est-ce qu'on va pouvoir se mettre en spec, Nado? On peut pas se mettre en spec, donc je me dépêche de t'inviter. Ouais, malheureusement, on peut pas se mettre en spec. Tu vas devoir rejouer. On va devoir jouer cette game, tout simplement. J'accepte. Par contre, moi et Nado, évidemment, on ne pourra pas répondre aux questions. Alors, je vous rappelle le principe. Vous Oui. pouvez rejoindre, c'est le nom d'un perso avec une majuscule. Voilà, tout simplement. Si je l'ai mal écrit, que personne rejoint, ça veut dire que je l'ai mal écrit, mais je ne pense pas. On verra tout à l'heure. Ça arrive à tout le monde, des dyslexiques du clavier. Croyez quoi, c'est facile. Donc, je poserai des questions. Tout simplement, le premier joueur qui donne la bonne réponse, son équipe gagne le droit de choisir le perso qu'il veut pour le premier joueur de la liste, c'est-à-dire moi et Nado pour la première question, Renick et Kaziko pour la deuxième question, Shadow et ainsi de suite. Et l'équipe qui perd, le mec de sa team à qui c'est le tour, obtient un perso pourri de la part de Nado. Nado, donne le premier perso pourri vu que c'est toi et moi qu'on triche pas. Un petit vu qu'on gapait. Wukongapé, voilà. Alors si l'équipe de Nado répond correctement, je vais jouer Wukongapé. Si c'est mon équipe qui répond correctement, Nado jouera un Wukongapé dans toutes les pièces de son stuff. Il Ah sera mince, obligé c'était ça? d'avoir un T'aurais dû me Wukongapé. préciser, j'aurais pas Alors dit personne ça. veut être avec moi. Personne veut être avec moi. Je retiens l'IRZ. Ok. Ah mais les IRZ, ils ont compris. Ah il reste 5 places, on rejoint. Alors le nom de la partie, hein, c'est Aram ZTV. Le mot de passe, c'est nom d'un champion Personne avec une se met avec majuscule. moi. Oh là là. Alors, Je si tu peux passe peut-être un donner un pas, les gars. indice, peut-être Capi. Alors, le. Oui, c'est un solo top. C'est un solo top. Qui revient à la mode en ce moment. Voilà, un solo top qui revient à la mode. Il reste une Ah, ben place, voilà! il Et reste ben une place. voilà! Ah non, Ben voilà, c'est Perceval. complet! Ça a été vite! C'était Yorick, tout Ne lance pas simplement! Capi! C'était Ne Yorick. lance pas Capi, il y a Perceval Alors, qui. ben, de toute façon, je lance pas. Il faut qu'on fasse des questions. Oui, c'est vrai, non mais. Ouais. Voilà, c'est C'est bon? bon. Donc. Ok. Les questions. Allez, vas-y. Questions. Alors, Nado, t'as pas le droit de répondre, hein, parce que tu connais les réponses. Pas de problème. Alors, la première équipe qui répond obtient un bon perso, choisit son perso. L'équipe qui répond pas, bien sûr, perd. Première question. Quel champion a le passif suivant? Quel champion a le passif suivant? Les attaques de base de Bip réduisent de 15% les dégâts infligés par sa cible pendant 2,5 secondes. Les attaques de base de Bip réduisent de 15% les dégâts infligés par sa cible pendant 2,5 secondes. Ce n'est pas Fiddlestick. Allez, essayez de balancer. Urgot, c'est Kaziko qui a répondu correctement le premier. Bravo à Urgot. Ça a été très très vite. Je sais pas si sur l'IRC, il y en avait qui l'avaient. Oui, voilà, il y en a qui l'ont balancé. Donc, Nado, tu vas être obligé de jouer un Wukong AP. Bravo, Nado. Non mais c'est Bravo, ça. Nado. Non mais de toute façon j'ai compris, il y a un complot, Kaziko, je le connais très bien. C'est pour ça que je voulais pas qu'il vienne. Parce que c'est toujours comme ça. Alors, deuxième question, c'est pour Kaziko ou Shadow 9000. Alors, quel perso troll pour une de ces deux personnes, Nado? Pour qui? Kaziko, Pour oui. Shadow ou Kaziko, un perso troll avant que je pose la question. Xeratade. Xeratade. Alors, le 15 mai 2012, le 15 mai 2012, combien de champions y avait-il dans League of Legends? Le 15 mai 2012, combien de champions y avait-il dans League of Legends? Un indice, c'était plus de 90. Le 15 mai 2012, combien de persos il y avait dans League of Legends? C'était plus de 90, non 97, Kaziko! Ouh là 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 là, Kaziko est excellent! Excellent Kaziko, très très bon. Pensez à lui pour le vote DRP, c'était 97. C'était bien 97, bravo à Kaziko. Donc Shadow 9000 va jouer, Nado, tu as dit. Xerath Xerath AD, voilà, donc je vais noter quand même. Pensez-y, hein, sur l'IRC, on aura un Wukong AP. Voilà, pour et on Capi. aura un Xerath pour toi, Nado. Un Xerath AD. Non, moi c'est Donc, Wukong moi et et Xerath, ce Kaziko, on sera peut pour Shadow. choisir. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Troisième question, quel perso troll? Une Lux AD. Luxadé. Alors, Luxadé, on va choisir cette question-là, tout simplement. Alors, est-ce que je peux choisir la question?
Bah, donne-moi un numéro, je vais. Donne un Ouais, donne-moi un numéro, tiens. numéro. Bien sûr, choisis la question, Que elle. ça sent le complot, tout ça. Bah. Alors, la question numéro. La question numéro Je te réponds. 4. 4. La question numéro 4. Qui a l'ultime suivant? Attention. Qui a l'ultime suivant? Bip vole immédiatement des PV à sa cible ainsi qu'un pourcentage de son armure et de sa résistance magique. Ensuite, le nombre de PV, de points d'armure et de résistance magique volés double pendant 3 secondes. Ce n'est pas Nasus, c'est Trundle. C'est Erandiel qui a répondu le premier Oh correctement. là Donc là. c'est encore ma team. Team Akapi for the win. On est carrément bien. Et donc, Fucking Poney va jouer un. Qu'est-ce qu'il va jouer, Nado, Fucking Des Poney? nuques à des. Luxadé, bah voilà. Luxadé pour Fucking Poney. Prochain perso troll Nado pour ta team encore, j'espère. Alors là, je vais dire Gragas à des, comme ça on sait jamais. C'est pas Gragas forcément AD. troll. Voilà, Gragas AD. Combien coûte un élixir de courage? Combien coûte en PO un élixir de courage? Attention. 350 Kaziko. Ah là 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 là, c'est pas possible. Il est plus rapide que l'éclair, il est plus rapide que la lumière. Il est trop fort ce Kaziko. Ça te fait pas mal aux fesses de pas avoir Kaziko dans ta team du coup? Non, mais je connais Kaziko, donc ça Ah me ben, surprend les pas. gars, je fais des questions un peu difficiles et des questions faciles. Et il y en aura pour tout le monde de toute façon. Donc bah, du coup, dans ta team, Ratok va jouer un Gragas AD. S'il a le champion, si vous pouvez swapper, mais vous Oui, si vous restez n'avez sur pas le le perso troll. champion. Ah, t'as pas Gragas. Alors vas-y, donne-lui-en un autre. Alors vite fait, pendant que je choisis la prochaine question. Bah, tu vas nous jouer une HAP? Tu as H au moins. Ah, Shadow a pas Xerath. Oh, non mais les gens, faites des efforts quoi. Prenez des Bon. persos troll. Ouais voilà, Un on perso. s'arrangera. Voilà. Alors, on va jouer Ah quel. oui, non mais Capi en plus tu as mis en random hein, au cas où. Oh, ben on va la refaire. Je réinviterai les gens. C'est pas grave. On l'a fait. On l'a Ah fait. c'est Alors, Erantiel, il reste une question. dernière question, Nado. Dernière question. Pour savoir si ma team va jouer ce qu'elle veut et vous aurez les persos imposés. De quel personnage provient cette citation? L'existence de Twitch est la preuve que tout est possible sur Runeterra. L'existence de Twitch est la preuve que tout est possible sur Runeterra. Ce n'est pas Lux, ce n'est pas Zilean. Qui a dit ça? Ce n'est pas Nocturne, ce n'est pas Babar, ce n'est pas Yorick. Alors, qui a dit ça? Pendant ce temps, je prends un screen des joueurs de la team. Voilà, hop là, ce n'est pas Monsieur MV qui a dit ça. Est-ce que sur l'IRC, il y en a qui l'ont? Est-ce que sur l'IRC, il y en a Babar. qui. Ce n'est pas Jean-Pierre Foucault! Non, ce n'est pas Jean-Pierre Foucault, ce n'est pas Ezreal! Ah là là, ce n'est pas Thresh! Il a un gros cerveau, un cerveau énorme, un cerveau qui est plus qu'énorme! Un truc monstrueux, ce n'est pas Morgana! Ce n'est pas Panda, c'est Emerdinger! Eh oui, c'est Emerdinger! Bon. Bah, je suis désolé pour ta team, Nago. Vous avez perdu absolument toutes les questions. Alors, je vais réinviter tout le monde vite fait dans une game normale cette fois. Créer partie. Donc, quittez tous la game. Hein, surtout, on la refait en vite fait. Hop, Aram ou pas, hein, parce que nous, on va choisir nos persos. Vous allez avoir des persos trolls. Oui, enfin bon. Hein. Mais on va gagner. Alors par contre, Oui, là, vous si on allez gagne, hein, peut-être si on gagne. gagner. Vous allez peut-être gagner. J'invite vite fait tout le monde. Donc, on avait Kaziko. On avait Kaziko, on avait Renik. Renik, nous avions aussi, parce que nous avions, c'est plus joli que on avait. Hein. Nous avait. J'en connais un qui s'est fait troll sur ce qu'il disait tout à l'heure sur le chat. Je sens que je vais en entendre parler de celle-ci. Erantiel. Voilà. Extensive. Tous ces joueurs sont susceptibles de gagner 10 euros de RP. Pour l'instant, ça part très très bien pour ma team qui a un full bon aux questions, tout simplement. N'est-ce pas Ouais, non, mais ouais, mais bon. En même temps, tu vois, je positive. La positive attitude, c'est hyper Non important. mais et quand même, t'as vu la culture? Est-ce que tu as vu la culture Mais de notre Kaziko ami a répondu à toutes les RZ questions. Kaziko Moi, quoi? je dis, il y a complot, il y a complot, il y a complot. Complot avec Kaziko. Ah mais Kaziko il doit coucher avec quelqu'un de chez Le Riot. mec mauvais joueur, je passais pour le. Je pense que Kaziko couche avec quelqu'un de chez Riot. C'est Ouais, non, mais obligé. je pense. Parce qu'il trouve toujours les passes en premier, tu sais pas comment. C'est. Oui, parce qu'on le connaît un petit peu, quasi, quoi. Il a fait plusieurs de mes streams. Voilà, j'ai réinvité tout le monde. Logiquement, c'est bon, vous allez être dans la Ouais, game. j'accepte, c'est bon. Alors pour les RP, oui, c'est 2 x 10 euros, hein, donc malheureusement, ceux qui n'ont Remettez-vous dans pas la bonne d'être en team, game. surtout. Alors, Casse-toi. je vais là-bas. C'est bon, je m'en vais, j'ai compris. Voilà, va dans ta team, Nado. Alors, Alors. Nado, Rato.
Glock, Zalera, c'est Ronic. Ronic, faut que tu swaps. Ronic, voilà, et on attend extensive. Alors donc pour jouer donc Shadow, il avait pas Xera, donc est-ce que Shadow tu vas Wukong? Pire, j'échange avec toi. T'as pas été invité? Bah regarde, tu es là. Je vais te réinviter alors. Ouais, réinvite, des fois ça bug. Ah, c'est parce que je l'ai mal écrit, parce que c'est tout en majuscule. Je suis sûr que c'est ça. Non, c'est pas ça. Ouais, on sait Riot bug en ce moment, donc j'ai envie de dire... Ah, c'est extense. Oh là là, pardon. Je vais me faire taper sur les... Je sais même pas lire. Je sais pas lire. Slappez-moi, je sais pas faire quelque chose. Foutez-moi des tartes. Je le mérite, je ne sais pas lire. J'ai pas été longtemps à l'école. Non, c'est pas vrai. Faut aller à l'école, c'est super important. Voilà, ça va être plus simple maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est prêt. Tu as donné des persos troll à toute ton équipe, Nado. C'est parti. C'est parti. Bon, on va voir dans la game, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas les champions. Donc, au pire, hein, ils prendront des, des alors, on aura champions. Peut-être pas le temps d'en faire deux. On va peut-être en faire qu'une. Oui, je pense. Pourquoi pas refaire jouer. Enfin, à voir. C'est toi qui décides. C'est toi le maître. On verra. De la on verra soirée. Selon combien de points dans la game. Bah, l'équipe qui gagnera cette game. Alors, nous, on a que des persos OP. Vous avez que des persos troll. Je go des dos capi. Alors, Shadow. Shadow. Non. Je vais prendre Shaco. En tout cas, bravo à ma team qui a vraiment, vraiment bien répondu aux questions. On va faire ça, on va jouer à D, hein, c'est parti. Ça, bah ça, et ça. Zalera, je me souviens plus de tout ce qu'il faut que tu joues. Je crois que c'était Gragas. Ouais, c'était Gragas. Non, un si, Gragas, c'était Gragas. Ou ce que tu veux, ce que tu veux. C'était Gragas. Comme tu veux, Belrousse. Je demande ce que je joue, on me dit comme tu veux, Belrousse. Oh, il y a des questions, bof, bof. Qu'est-ce que vous avez contre mes questions? Qu'est-ce que vous avez contre mes questions? Moi, je ne sais pas, hein, ce que vous avez contre mes questions. Mes questions étaient travaillées, elles étaient recherchées, elles étaient magnifiques, elles étaient splendides. Est-ce que je fais gagner mon dernier code de Duel of Champions? Vas-y, c'est le moment, c'est le moment. En plus, il en demande gamme, depuis tout à l'heure, donc allez, c'est parti. Code Duel of Champions. Code, si ça coule dans le cou. Code de Duel of Champions. Quel est le nom du nouvel héros Inferno, du nouveau héros Inferno prévu dans l'extension Les Guerres Oubliées. Quel est le nom du nouveau héros Inferno prévu dans l'extension Duel of Champions? Ignatius, c'est Jean-Luc Stucru, t'as déjà gagné, fallait pas répondre. Je vais être obligé de trouver une autre question, je vais pas te donner deux, Jean-Luc Stucru. Et non, c'est pas bon, on va la refaire. On va trouver une autre question, tant pis, Jean-Luc Stucru a vendu. On parle de Duel of Champions, évidemment, hein, comme jeu, les amis. Oui, j'allais dire, pour ceux qui ne comprennent pas le chinois, vous inquiétez pas, moi aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est un jeu gratuit, très intéressant. Alors j'ai trouvé une autre question. Ou alors je le remets sur le stream. Je le mets sur le stream. Ou tu l'écris sur le stream, vite fait. Tu sais, tu le fais apparaître comme ça. Touk, touk. Est-ce que tu peux faire peut-être... Non. Ah, je sais pas. Non, une question. Qu'est-ce que tu penses, Nado? Qu'est-ce que tu penses? Oula. Mais c'est une bug, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut Oh, vas-y, repose une question. Je te sens chaud, en fait, pour poser des questions. Désolé pour le petit screen région Windows. Je dois refaire ma scène à chaque fois puisqu'on n'avait pas prévu de jouer. Nice, ouais, Windows. Bah oui, mais je suis sur Windows, hein, évidemment. Ah là là. Ah, vous avez pris quoi? Ah, ouh là là, Malphi, Takali. Kaziko avec le blanc, ok, Fiddlestick. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui aiment le Duel of Champions, il y a une structure qui s'appelle OTCG, www.otcg.fr/forum, parce que le site est en cours de construction. Il y a du stream, il y a un otcg.fr aussi sur Facebook, pour ceux qui aiment Duel of Champions. Et vous avez des tournois réguliers avec des boosters à gagner, tout simplement. Il n'y a pas une Nida, ouais, c'est vrai qu'en Aram, une Nida, c'est assez fort. Capi a pris Malphite, hein. Capi, en fait, vous avez pas vu Capi jouer en Aram, Capi prend toujours des tanks. Pourquoi et tu il dis qu'il n'y a pas de Nida? On a une Nida? C'est que tu la vois pas. Pas. Ah, je l'ai pas vu en fait, elle était du coup. Je me disais, ça aurait été bizarre qu'ils prennent pas Nida. Quoi. Non, mais il est sous. Ne t'inquiète pas, Tatsuki, il est sous. On peut rien faire, il est complètement pété, c'est pas de sa faute. Il y en a qui disent je t'aime Zerator, il se fait kick. Parce qu'il a spam. Bon, c'est l'amour. Non, mais Zerator envoie l'amour comme ça aux gens. Un petit kick, cash. Bon, après, je pourrais vous poser une question troll, hein, une question où tout le monde aura la réponse. Mais bon, ça serait dommage. Je vais réfléchir pendant la game. Je vais réfléchir pendant la game. Au pire, moi je dis tu refais la question et tu prends la deuxième personne qui n'a pas gagné. Au pire, hein, on peut pas.
une blague. Alors bien sûr, hein, donc j'espère que vous avez tous pris des runes en rapport avec votre troll, hein, ceux de mon équipe. Oh, c'est, non, c'est pas trop grave, j'en voudrais pas trop. En tout cas, le stuff doit être le troll, hein, le stuff doit être oui, complètement oui. Troll. Ah ça, bah, non, ouais, j'aurais pu prendre des runes AP, alors c'est nul. J'ai tout pris à deal, hein. Je fous la deal, quasiment. Qu'est-ce que je vais faire comme stuff, moi, là, je vais faire... Je vais prendre, moi, ça. Moi, ça des boosts, déjà, hein, cash. Oh là là, c'est une catastrophe. Honneur extensive. Bah alors... Extensif pour qu'ils puissent gagner les RP, les gars, il faudra déjà qu'ils gagnent la game. D'accord ? Sachant qu'il joue quoi ? Il joue un Final Stick, ok. Il est dans l'équipe des persos OP, donc vous pourrez voter pour lui peut-être. On va faire la Triforce. Après, peut-être que vous pouvez aussi voter pour des gens comme Kaziko qui ont répondu à toutes les questions, ou tout simplement pour Erenciel ou Renick qui n'ont pas été beaucoup présents, mais qui sont là aussi pour jouer cette game. Regardez la game, regardez qui joue le mieux. Et je sais que c'est Capi, regardez qui joue le mieux en deuxième et votez pour lui qui gagne derrière. C'est IRZ Krasi qui nous a quitté il y a peu. alors, comment ça se passe cette game? Aïe! Il a pris une lance quoi. Les dégâts sur Ratok qui prend la sauce, la pauvre lance qui ne touche pas malheureusement. Et tu te calmes toi avec tes haches là. Alors, est-ce que le stuff est respecté pour l'instant? On a bien une HAP, on a bien une Lux AD, on a un Gragas sans AP, c'est parfait, on a un Draven AP. Ça va, pour l'instant c'est respecté, pour l'instant j'ai rien à redire. Ah, est-ce que c'est respecté chez vous? Bah, bon. Chez nous on peut troller si on veut, hein. On aurait pu d'ailleurs si on était fair play, si on n'avait pas envie de gagner les RP dans ma team, on aurait trollé, tu vois. Mais ma team a priori a grave envie de gagner les RP. Alors, après, si on perd cette game, avec 10 persos troll en face, je pense que. Ah non, mais alors là, si vous perdez cette game, si vous perdez cette game, je sais pas quoi, vous nous offrez chacun 10€ de RP quoi. Ou à tous les viewers de la TV quoi, parce que c'est. Voilà. Non, mais on peut pas perdre cette game, c'est pas possible. Tiens, mange-toi ça. Et je te fais mal quand même, hein. Ouais, t'as fait pas mal de dégâts. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment. Oh là là, oh là là, Kaziko. Super Academy. J'espère que ça vous fait plaisir ce qu'on est en train de vous proposer. Et puis voilà, le but c'était de passer une bonne soirée pour les 500 likes. Donc j'espère que c'est le cas pour tout le monde. En tout cas, nous on passe une super soirée. Ouais, nous on s'amuse bien et ça c'est le principal. Oui, après vous on s'en fout un peu. Hein. Faut pas le dire normalement. Oh, meurs! Ah non, trop loin. Après, Draven doit avoir de la paix sur tous ses stuff. Mais il y a peut-être des pièces qui peuvent lui apporter quelque chose d'AP et d'AD. Hein. S'il a de la paix sur la pièce, moi ça me va. Voilà, il faut bien connaître le jeu. Il faut qu'il y ait la lettre P dans le stuff et c'est bon. Il y a peut-être des petites. Voilà, des petites choses. On va voir s'il y a des persos intelligents chez vous. Lux AD, c'est pas tellement troll, hein. Franchement, ça peut s'en sortir. Une Lux AD, elle fera 0 dégâts sur son ulti. Mais. Oui, chose principale chez Lux, quasiment. Surtout en Aram. Oui, voilà, par exemple, une. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tiens, mange pas ça. Non mais Elanidal encore du mana, c'est pas possible ça. Les spam lance depuis tout à l'heure. Quand est-ce qu'on... C'est parti les gars. Non mais vous avez peur, c'est incroyable. Hein, tout à l'heure Nado, j'ai entendu qu'il y avait pas mal de joueurs de WoW sur le stream, des fans de WoW. Oui. Et je sais pas s'il y a des anciens joueurs de WoW. Est-ce qu'il y a des anciens joueurs de WoW, des vieux de la vieille, des mecs qui ont commencé il y a 8 ans, 7 ans, 9 mais ans. Mais moi déjà. Le WoW classique. Non mais sur IRC, est-ce qu'il y a ce genre de personnes sur IRC? Pardon, désolé pour mon langage. C'est ça la question. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont joué à WoW même s'ils ont arrêté? Voilà, et ben il y en a. Alors, ça va vous rappeler un souvenir. Ça va vous rappeler un souvenir ce qui va se passer. Alors bon, c'est dommage, il n'y a pas de cam sur le stream, évidemment. Mais je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, il y a très longtemps d'ailleurs, Blizzard en a fait un OP. Il y a un mec qui est parti comme ça et qui a fait Leroy Jenkins. Tuez-le, Leroy Jenkins. Et voilà, on fait 3 kills sur cette action. Il m'a déconcentré, Scapi. J'en étais tellement sûr que t'allais faire ça. Oh là là, je le savais tellement quoi. Donc là, j'ai réveillé ma femme qui l'a me tué juste après le stream. Donc si vous avez aimé ce stream, sachez que c'est le dernier. Plus jamais je pourrais. C'est terminé. Ah là là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Ça me plairait bien de faire comme je sais pas. Ouh, mais c'est quoi? Non, mais franchement, si vous avez jamais joué à WoW, enfin, vous avez quand même raté la belle époque. Mais évidemment, c'est plus ce que c'était. Mais. Et tout début, c'était quand même quelque chose. Oh là là, quasi con. Non, mais Leroy Jenkins, si vous avez jamais vu cette vidéo, c'était à mourir de rire à l'époque.
suicider, s'est suicidé. Il en avait marre. Le mec a foncé comme ça dans le tas alors que son Red Lead était en train d'essayer d'expliquer ou de. Je dis un peu du texte en général parce que c'était en anglais et la qualité est assez médiocre. Mais. Et boum, Capi qui prend un kill. Oh, Capi qui prend un kill sur moi. Et ouais, mais ici aussi. C'est tellement inadmissible. Moi je t'enclate super longtemps, voilà, parce que je veux pas qu'on perde trop de creep sur la tour. C'est important pour moi. On va faire ça. On va prendre masse popo. Oh, cet arrow! Cet arrow de nu. La arrow de H va faire des dégâts, hein, logiquement. Elle a pas un petit ratio AP, la arrow de H? Répondez-moi sur l'IRC si vous savez ça. Il y a bien. Moi je sais que j'avais déjà joué à H, une H AP lors d'une soirée troll et c'était pas mal, final. Pas si troll que ça. Alors, cette game sera probablement en BO1. Hein. L'équipe qui gagne aura une chance de gagner les 10€ de RP. Évidemment, si vous votez pour lui. Alors, il y a pas mal de fans de Extensive pour le moment, je sais pas si on dit comme ça. Extensive. Il y a peut-être quelques fans des Yarzad aussi, parce que déjà ils sont deux. Il y a peut-être un fan de Errantiel, bah, ça on le verra tout à l'heure. Ça sera à vous de voter pour qui gagnera ces 10€ de RP. Ça lag trop, moi ça lag pas trop là, ça lag pas du tout même. Ça dépend des moments. Non, moi ça ne. Moi, enfin, moi je ne lag pas. Capigo refaire New Way. Oh, les dégâts de la lance de Nidoc, on s'est vu chez Lina. La hache est quasiment fait OS, level 7. Bah, de toute façon, vous avez pas beaucoup de dégâts par rapport à nous, ça c'est clair. Non, mais moi je dis c'est inadmissible. Oh, c'est ulti de Gragas qui m'a éjecté. Errantiel qui se suicide pendant qu'on prend la tour, bien joué. Il vous a bait. Très bien joué de sa part. Alors, j'ai même fait pas le stuff un petit peu. Gragas, oh là là, les dégâts. Pardon. Tout va bien. Pour le moment, il n'y a personne qui triche. Pour l'instant, il n'y a personne qui triche. C'est très bien. Ça fait plaisir. Beauté extensive. Exentensive. Allez, pas vous comme ça, hein. Ne partez pas en complet débat. Est-ce que WoW c'est bien, est-ce que WoW c'est à chier, c'est pas du tout le débat de la journée. Donc ça sert à rien de vous prendre la tête là-dessus. Complètement inutile. Si moi je devais donner mon avis, vite fait quand même, pour moi BC est la meilleure époque qu'il y a jamais eu sur WoW. Mais bon, après c'est les souvenirs personnels aussi qui font que, tout simplement. Ouh, Ratok a pris un peu la sauce là. Et encore, hein, il s'est varié la critique, hein, parce que tout à l'heure, c'est vrai que vous avez pris un kill. Ouh, vous avez pris 5 kills. Et oui. Vous avez pris 5 kills. La Lux, bon. Hein, qui est. Nadofid, quoi. Nadofid. Nadofid, attends, j'ai pas placé un ultime encore. Ah, c'est mort. Bon, moi aussi, je suis mort. Ah non, donc la tour. Vous avez dépêché trop vite là. Oh, je suis mort. Oh, Casico. Zéro dégâts d'ulti de Lux. Oui, pourquoi il a joué le blanc? C'est un tryharder, ce Casico. C'est ce que je disais. Et voilà. Il va mourir quand même. Et non, il meurt même pas. Non, mais. Prends le heal, ça vous dérange pas? Merci. Coucou les streamers, coucou les RC, coucou Noska, j'espère que tu vas bien. Coucou. J'espère que tu as passé une bonne soirée d'ailleurs, sans l'Opérateur TV a priori, mais une bonne soirée quand même. Bon, ça peut pas être une aussi bonne soirée qu'avec nous. Hein. Non, bah non, si tu viens d'arriver, tu viens de rater quelque chose, le stream de l'année quoi. Stream du siècle. Je vais couper le stream, bah vaut mieux, hein, parce que tu viens de te manger une lance sans bouger. C'est pas cool quoi. J'ai trop de gold, vous voulez pas me tuer? Non mais t'as mal fuite quoi, non mais. Oh là là les dégâts. Boum. Oh, ma team qui suit pas. Oh, on s'est mangé tous les deux la lance. ma team qui suit pas. C'est une honte ce qui s'est passé là. Ma team est pas du tout assez réactive. Prenez non, la on tour, se défend pas mal. J'aurai ma cape solaire. Et dans quelques minutes je vais pouvoir enlever ma perruque. Vous savez que ça sera un vrai soulagement. Que Capi bien sûr a déjà perdu avec cette perruque quelques cheveux. Ouais, des vrais cheveux, cheveux naturels. Yogi a pas compris, je pense que les caps lock sont interdits par le bot. Le ZTV bot qui le kick instant. Touloutoulou, touloum.
Alors. Hop. Ronnie qui s'appelle pas. Oh là là, ouais, Kaziko. Bon, mais Kaziko, il fait la même chose. Alors, bien sûr, je ne rage pas à l'habitude, mais là, moi, Kaziko, c'est... personne n'est insupportable. Tu vas le délaide de ta friendly, tu vas le délaide. Je pense, ouais. Ah, oh, c'est. Ah là là. Non, mais il joue bien. Mais c'est vrai qu'en Aram. Pas trop désavantagé, bah oui, on a. Enfin, voilà quoi. Enfin, bon. C'est. Mais on se débrouille pas mal, on a pris 9 quiz. Kills. Oui, c'est une Aram quiz et l'équipe de Nado a perdu 100% des questions. Donc forcément, ils ont que des persos trolls. Des porcs. Oui, on a que des porcs, bien sûr. Oui, tu peux prendre l'item intermédiaire de Trinité, on t'en voudra pas. Aucun bah, moi je l'ai fait, hein. J'en demandais. Hein. Final, tant que l'item final contient la paix demandée, tout va bien. Il va y mourir comme une. Moi j'ai fait la Trinité, hein. Il faut la faire. Hein. Faut pas hésiter, ça donne un peu la paix. Et c'est ça, un item AD. Alors il rentre, tu vas pas me sauter dessus. Voilà. Oh non, il meurt, tuez-le. Non, mais tuez-le. Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez. Attention à Extensible là qui prend un petit peu des dégâts. Oh là là, Ratok. Oh là là, Ratok. Oh là là, Ratok. Je te veux, Ratok. Je te veux. Reviens là. Ah oui, non. Pourquoi il est pas mort? Alors là maintenant faut esquiver l'avance. Oh là là. Boum. Il va pas d'avoir fait ça. Ah non, je t'ai pas tué. J'ai claqué un ulti pour finir H. C'est trop sale. Oh, genre il a. Non, genre il a déjà le zone. Allez, vous allez pouvoir voter hein, pour la personne qui va gagner CRP d'ici quelques minutes. Je vous rappelle qu'il y a encore une question duel of champion pour gagner un petit booster. Et puis on aura passé une excellente soirée en votre compagnie. Nous on s'est amusé, j'espère que vous aussi. Trop nul ce Kaziko, je suis d'accord avec toi quoi. Le gars change d'avis. Je prends les heals alors que je suis full vie. Bravo Capi. On se débrouille pas mal quand même, on a que 11 kills de retard. Hein. Ouais, mais vous avez un petit peu des tours en moins aussi. Oui, ça c'est évident. Mais. Ouais, mais bon, on a des trolls dans ma team. Mais on se rapproche à ce qu'on peut. On se raccroche à ce qu'on peut. Ouais. Oh ta pauvre hache. Oh! Oh my god. Non. T'as même pas ton ulti? Non, je l'ai pas. Je l'ai fait pour tuer hache tout seul tout à l'heure. Ah! Ceci est un carnage. Doublé de Capi, je vais être dans le positif, c'est parfait. Dataro. La hache qui a encore tué avec une arrow. Eh oui, non, mais la hache aussi elle doit faire trop de dégâts avec son arrow. C'est la arrow qui fait le plus de dégâts au monde. Toi par contre tu fais 0 dégâts. Meurs. Oh bon non. Je fais tellement capi pas de dégâts. Capi OP. Oh là là quoi. Capi OP. Tellement pas de dégâts, c'est une catastrophe. Et Kaziko il est à combien quoi? 11-2, bon c'est normal hein. Un score normal pour Kaziko si vous connaissez pas. Vous avez tellement pas de chance d'avoir loupé toutes les questions aussi. Moi je pensais que ça allait être équilibré, tu vois. Non mais parce que c'est Kaziko qui a répondu à toutes les questions. Non, pas que, il y a Erantiel qui a répondu à une question. Ouais voilà, une question pour 4. Oh là là quoi. Et j'étais même surpris, je pensais pas qu'Erantiel allait réussir à répondre à la question. Ouais, ah là bien là. Sûr. Ah tu vois, on n'aura pas le temps d'en faire une deuxième game, hein, donc ça sera la fin de cette game que vous allez pouvoir voter pour la personne qui l'a gagné. On fera une toute petite page de pub avant, même si ça vous fera des pubs pas presque affilées, ça nous permettra le temps de donner à un tox toutes les infos. Et puis, sauf si un tox est prêt, ça dépendra d'un tox. Si vous avez de la pub, ça sera de la faute à un tox, voilà. Si vous avez de la pub, il faudra vous en prendre un tox. S'il est prêt, vous n'aurez pas de pub. Et puis tu pourras peut-être répondre à quelques queries aussi. Alors le principe de la RAM quiz, c'est tout simplement un quiz. L'équipe qui répond bien avait un perso, choisissait son perso. L'équipe qui répondait mal avait un perso troll. Mon équipe a répondu à 100% des questions.
C'est pour ça qu'il y a des persos un petit peu bizarres en face. Une Lux AD, un Xerath AD, une HAP, un Gragas AD. Oh, c'est une calasse. Hein. J'essaie de KS le kill et même les KS, j'y arrive pas. C'est quand même un positif, quoi. C'est dommage. I am ready. Ah bah c'est bon alors, intox est ready. Vous avez vu comment il est fort votre intox? Moi je tente les deux tours, moi je suis un fou. Tu vas tellement mourir. Oh non, mais je viens de revenir, je me tape déjà l'ulti. Extensif qui tryhard, qui essaye de prendre l'inhib. Oh là, Aro qui a fait d'énormes dégâts sur ce pauvre et malheureux Fiddlestick. Fiddlestick qui essaye de se la jouer Narcus, mais ça ne passera pas. Triple kill d'une Lux AD, mes amis. Triple kill de la Lux AD. Comme quoi, si ça envoie pas du poney, fucking poney, il envoie du lourd. Hein. 9-8, c'est le seul cas en positif quoi. Contre les kills, on demande de vous montrer les kills si tu peux. Bah ils sont à l'image. Voilà, bah parfait, tu vois pourquoi les grands esprits se rencontrent. Mais oui, mais les grands esprits se rencontrent. Ils nous méta. Attendez. Eh, on a quand même une Lux en positif hein. Avec bah, c'est ce que tu viens de dire, ouais. En même temps, ça reste Lux hein. Il a fait quoi comme stuff? Ouais, voilà, il a pris la cape. Non mais c'est bien. Je colle XAD après ça en ranked. Je suis pas sûr que t'aies la même réussite. Hein. Jouer. Focus le gros là, le bout de pierre là. Ton passif là, faut lui péter le passif. Attendez 40 secondes, j'aurai mon ulti. Allez, moi j'esquive la lance. Allez, Ronic, lance-la. Ouais, voilà, je t'ai tué dans. Oh merde. Ah! J'ai fait rester dans l'ultime. Oh la Lux est pas mort. Oh la Lux qui est pas mort. Oh, triple kill! Et voilà! Oh les amis, c'est là qu'on voit un joueur diamant, les amis. C'est là qu'on voit un joueur diamant. Avec Xerath AD. Non, monsieur. Bon, mais en même temps. Hein, il... Bon, bah voilà, triple kill pour triple kill. Capi qui a pas perdu un PV. Hein. T'étais dans le fight? Oui, mais t'as vu le stuff que j'ai. Mais en fait, tu t'es mis à l'écart. Pas mal. Non, mais sauvez les Nexus. Oh. Et voilà, on va pouvoir donner des 5 gagnants à notre ami Intox. Des 4 gagnants, du coup, hein, parce que moi, je peux pas gagner. Alors, je lui donne ça tout de suite. Intox, hop, sur Skype, nous avions Kaziko. Hop. Kaziko, nous avions Ronic. Nous avions Erranciel. Et le dernier était Extensimb. Voilà, une de ces 4 personnes va gagner 10 euros de RP. Intox va nous faire le petit truc qui va bien. Alors c'est le moment où je vais pouvoir enlever enfin la perruque. On vous rappelle hein, le principe. C'était tout simplement pour mes 500 likes. Lorsque j'ai fait la soirée des 200, on m'avait fait promettre de faire un stream en fan pour les 500. J'ai fait le stream pour les 500. Regardez ça. J'ai quand même une jolie poitrine. Attendez, je vais te mettre en plein écran. Tu vas me mettre en plein écran. C'est parti. Alors, on était encore si jeune. Je me tâte un peu les seins, donc on va enlever ça tout de suite. Donc on va déjà enlever le casque. Alors pour les enfants, hein, éloignez-les de l'écran. Non, mon casque est pris dans ma perruque. Pas grave, tout va bien. C'est tellement marrant, c'est magnifique. Oh my fucking god. Ouais, ça fait quand même carrément du bien. Alors j'ai encore tout le maquillage sur la gueule, hein, évidemment. Ce qui va bien. Je crois que je suis encore plus moche comme ça. Il y en a qui vont peut-être le dire. Dad Travelo. Voilà, je suis probablement encore plus laid comme ça. Alors vous pouvez voter hein, pour les 4 personnes pour savoir quelle personne va gagner les 10 euros de RP Kaziko. Un Kaziko. Gagner la perruque. Non, la perruque n'est pas à gagner. Bah, tu peux peut-être. Un jour pour tes 1000 likes, tiens, moi je dis. Pour tes 1000 likes. Faire gagner la perruque des 500. La perruque des 500 sera un cadeau. En tout cas, go voter les gens. Oui, votez hein, pour la personne qui va gagner 10 euros.
Les numéros, c'était 4 pour Extensive, 3 pour Erranciel, 2 pour Onyx, 1 pour Kaziko. Ça se passe sur l'IRC, on compte sur vous. Point d'exclamation, vote, plus espace le nom. Tout simplement. Alors, je t'avais dit à la base, hein, ça ne devait pas se passer tout à fait comme ça, on n'aurait pas dû jouer. Bon, je laisse ma perruque, elle est totalement mêlée. On n'aurait pas dû jouer avec Nado. On aurait dû tout simplement. Ça donne trop chaud. Attendez, regardez. Et alors là, Nado, c'est un grand moment. Attends, je vais m'attraper à l'écran. Je vais enlever ma poitrine. En plein écran, c'est parti. Je vais enlever ma poitrine. On attention. On veut voir ça quand même. Et voilà. Et ça fait du bien. Je vous jure, ça fait du bien déjà. Ça donne un peu moins chaud. Ouh. C'est bon, Nado, tu peux remettre en normal. Tout va bien. On va laisser comme ça. Ah là 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 là. C'est beau, c'est fini. Merci. 500 likes, ça fait clairement plaisir. J'ai vu que j'avais gagné quelques likes ce soir. Facebook.com/capi.lol. Facebook.com/ctv.nado pour Nado. Vous pouvez nous retrouver sur la TV ou sur nos Twitch perso. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, surtout. Moi, en tout cas, j'ai passé un excellent moment. Il nous reste quelques minutes, hein, on va rester ensemble encore un peu. Et puis, que vous avez apprécié voilà, cette soirée des 500 likes. Nous, avant tout, on voulait se marrer. Hein. C'était l'objectif. Maintenant, on s'est marré. Alors, Kaziko 33%. Et c'est Kaziko qui gagne avec 11 votes. 11 votes pour Kaziko. 8 votes pour Ronic. Erranciel, 4 votes. 10 votes pour Extensive. Ça s'est joué à rien du tout, Nado. Est-ce que tu as vu ça? Eh ouais. Ah là là, Kaziko. En tout cas, c'était bravo à lui. Bravo à lui. Alors, est-ce qu'on a le temps? Il reste 10 minutes, j'allais dire. Il y en a qui me demandent c'est quoi le principe du LOL karting. On va expliquer vite fait le LOL karting. Bah, remets la roue là, Nado, si tu peux. Je vais en profiter pour enlever le soutien-gorge, si je peux. Après, on dit que c'est moi qui suis fan de la roue. Hein. Je dis ça, je dis non, mais comme ça, on va parler des autres jeux qu'on avait prévus ce soir. C'est parti, j'ai mis la roue. Voilà. Tout simplement, on va mettre la roue. Alors, la roue, qu'est-ce qu'il y avait comme jeu? Il y avait le 4 jeux Timo qu'on a vu tout à l'heure, le LOL Karting. Alors, le principe de LOL Karting, il faut savoir que c'est un jeu des États-Unis, que certains streamers sur les États-Unis font. Comment ça se passe? Tout simplement, vous avez un joueur qui doit faire le tour de la piste de la map Dominion. Hein. C'est bien ça, Nado? C'est ça. Et puis, donc si tu peux nous remettre le temps que j'explique... Parce que là, sinon, ça change pas beaucoup. Donc, vous aviez un joueur qui doit faire le tour, qui doit faire 3 tours. Et les joueurs ennemis doivent essayer d'arrêter le sprinter, tout simplement. Le premier joueur qui arrive à faire 3 tours de map Dominion a gagné. Voilà. Et vous n'avez pas le droit. Et les gens qui tournent n'ont pas le droit de taper. Hein. C'est bien ça, Nado. Ils doivent juste courir. C'est ça, voilà. Ils sont juste runners. Ils doivent juste faire le tour, bien sûr, sur l'extérieur de la map. Hein, pas les tours dans la jungle. Hein, ce serait trop simple. Et voilà, ils doivent juste bouger. Donc, bien sûr, utiliser des champions avec un maximum de move speed. Tout à fait. C'est sympathique comme mini-jeu. Ça se passe pas mal. Et puis, ensuite, on avait le Yorgle vs Tank. Donc là, c'était des Yorgle contre des tanks dans une map Dominion. Voilà, le deuxième jeu. L'autre jeu qu'on n'a pas fait ce soir. On avait d'autres jeux. On avait le Roi de la Forêt. Je sais pas si vous connaissez le Roi de la Forêt. Le Roi de la Forêt, c'est simple. Vous êtes en 5v5 sur la map normale. Tous les joueurs doivent être dans la forêt. Voilà, tout le monde doit être dans la forêt. Interdit d'être sur les lanes. Ne peuvent aller sur les lanes que les personnes qui possèdent un buff sur eux. C'est-à-dire le buff rouge, le buff bleu, le buff Nashor. Donc si vous arrivez à choper un buff, vous pouvez aller farmer sur votre lane et essayer de péter les tours adverses. Et ça se passe comme ça toute la game. Donc c'est des games assez longues. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis ce soir. Mais c'est un jeu assez rigolo à faire. Putain, ces lunettes sont juste magiques. Les Yordle, c'est genre Timo, Amumu, ce genre de personnes. Et ces lunettes me font des yeux de ouf. Donc le principe, c'est que vous êtes tous dans la forêt, tout le monde se faille dans la forêt. Dès que vous avez un buff, vous pouvez aller sur la lane et farmer la lane et personne ne peut venir vous défoncer parce que vous avez le buff, sauf quelqu'un qui a lui aussi un buff. C'est très stratégique et c'est assez drôle à faire. Si vous avez des potes, n'hésitez pas à lancer ce type de jeu. C'est plutôt moi, pas mal. Le reflet dans les lunettes, on dirait des yeux. Bah ouais. Sinon j'ai les autres lunettes. Je sais pas lesquelles vous préférez. Je sais pas lesquelles. Les étoilées, ça donne un côté. Je sais pas. Un côté star. Bah, je suis un peu. Non, j'allais pas dire ça, mais. Ah là là là. Les lunettes anti-feed resteront les lunettes anti-feed.
Les étoilés? Ah, si Deathlord préfère les étoilés, je vais garder les étoilés. En tout cas, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est encore un peu présent sur l'IRC, vous me retrouvez tout en haut avec le plus Capi. Je répondrai évidemment à toutes vos questions après le stream sans souci. Je suis assez régulièrement sur l'IRC, même si je suis assez discret, n'hésitez pas. Et puis je voulais aussi remercier, parce qu'on est encore, on a encore 5 minutes, je voulais vite fait remercier Zerator, Noxer, avec qui j'ai pas mal discuté, qui m'ont donné cette chance, et puis Fury, voilà, surtout Fury aussi, enfin tous les trois, je voudrais les remercier de m'avoir permis de faire ma soirée des 500 likes sur Azerator TV, m'avoir permis de faire cette soirée avec vous tous, remercier Nado qui m'a accompagné ce soir aussi, merci Nado, c'était une chouette soirée. C'était nice, on se quitte plus voilà. En fait, on se quitte plus, on fait tout ensemble, voilà. C'est magnifique. Nado de chez AA aussi, remercier Nymphéa, oui bah oui, mais on t'a déjà remercié d'un fait, et puis pas oublier vous, les viewers, c'est grâce à vous si on fait ça, merci pour... Bah de nous suivre, d'être toujours présent. C'est ça, grand merci. Et puis voilà, c'était une super soirée. C'était une super soirée. Je vais donner tous les codes à tout le monde. Ah, et bien il me reste un code. Je suis bête, il me reste un et code. Oui, il reste un code. La fameuse question. Ah, Duel of Champions. Qu'est-ce que je vais donner? Allez, attendez, je regarde un truc. Sinon, je vous donne une question facile. Alors, on va le donner le dernier code quand même. Bah oui, quand même. Ce serait blasphème de partir avec ce code. Ça serait un blasphème, ouais, effectivement. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner comme code? Ah, peut-être ça. Peut-être ça. Alors, je vais rappeler aussi, hein, pendant ce temps-là, hein, une dernière fois. Voilà, nous, ça nous a fait vraiment super plaisir. Comme l'a dit Capi, hein, une super soirée. C'était vraiment nice, super ambiance sur l'IRC. Ça fait vraiment plaisir. Donc, si vous voulez nous suivre, on sera sur nos streams perso. N'hésitez pas à les liker, nos Facebook, capi.lol et ctv.nado. Capi qui est, je sais pas combien tu es d'ailleurs maintenant, mais pas loin des 600 peut-être. Ouais, les 1000 s'approchent. Moi je dis go faire ton like Facebook des Capi. On veut les 1000 parce que si 500 c'est en femme, qu'est-ce que ça va être 1000 quoi. 555 pour l'instant. Merci. Donc, la question, attention. Ça va être très rapide. Vas-y. Mais il faudra écrire plusieurs mots. Je veux tout sur la même ligne. Le gars qui me fait entrer à chaque fois, il a perdu déjà. Je veux tout sur la même ligne. D'accord? Et je veux pas de faute d'orthographe. J'accepte sans les accents. J'accepte sans les accents, mais pas de faute d'orthographe. À vos claviers. Les trois factions de base qu'on vous propose quand vous commencez Duel of Champions. Le nom des trois factions de base qu'on vous propose quand vous commencez Duel of Champions. À vous de répondre. Faut leur mettre la pression. C'est facile, même moi qui ai joué que quelques les fois. Les trois factions. La réponse Nico, des. Inferno, Havre et c'est Sakaziko. Mais non, c'est Nécro quelque chose. C'est pas Nécromancien, c'est pas Nécro tout court. Je dis, je veux l'orthographe. Nécropole, Havre, Inferno. C'est Wazuff qui a la bonne réponse. Et c'est Wazuff qui gagne le dernier. Le dernier, tout simplement, le dernier code, Nado. Et GG à lui. Voilà, c'était. Alors il y en a plein qui me disent ouais, c'est ce que j'ai dit nécromancien, c'est nécropole, c'est nécro, c'est pas nécro. Pareil, nécromancien, nécropole. Et puis Kaziko il avait déjà gagné 10€ de RP, j'ai envie de te dire. Bon, on peut pas tout gagner non plus. Et en plus il a gagné une game de LOL, donc ça va quoi. Les ça propose Terran, ça m'a fait marrer Asda, c'était énorme. Alors qu'il est là, il est 57, encore une petite minute avant de se quitter, on va lancer les pubs, Nado, qui c'est qui reprend après nous? Après nous, ça va être Indépendance Day MV, voilà, ça va être encore sympa, plus déjanté que nous, donc moi je dis ça s'enchaîne bien quoi, deux mecs déjantés avec un mec totalement déjanté, c'est encore plus déjanté. C'est... Alors on dit qu'il y avait un mec avant, si c'est le cas je m'en excuse, mais j'ai pas vu avant. Ah oui, oh là là, excusez-moi, c'était... Attendez, il est où Wazuff? Wazuff, il est là, au-dessus, on a Havre, Bastion, Nécropole. Oui, il y avait Torque X, j'avais pas vu. Eh ben, Torque X, je te contacte, on va trouver une petite solution. T'inquiète pas. Hop, tant pis, on aura un de plus, c'est tout. Bon, ben Nado, on est dit au revoir. Et puis, on laisse la chaîne à Mister MB. Oui, on va faire ça. Désolé, j'étais en train de lire les bêtises des IRC, c'est assez marrant ce qui s'écrit. Mais on va faire ça, il reste 2 minutes, donc on va tranquillement vous dire au revoir. On espère peut-être à bientôt, qui sait. Et puis, c'était vraiment cool, donc voilà. Yes!
Je vous mets pas la perruque parce qu'elle est coincée. Merci à tous pour cette soirée, c'était super et vive les Erratortiviciens. Salut, salut. À la prochaine, ciao.